Monte amide, qui vivo ton poussement. Te gué wille nasa, te gué en sen pelo, te gué en sria Joseph. A la suite du déroi, il tient en guaison gomme. Où t'en es regardé, moi. Ton poussa, léo, le mec, Philippe, vof, c'est un peu. Où y'a eu, c'est pas eu, Non vous allez au l'ombre, Philippe Vop, c'est de bien. Vous jouez aux abeilles. Auditeurs, auditrices de radio, télé, l'Ouvrigé, son plaisir pour nous avec nous. Journée jeudi, hein, et première émission que nous avons fait dans l'année 2019, là, jeudi, assez. 5 janvier 2019, à peu près 9h et 3 minutes dans studio, tout studio radio télé l'Ouvrigé. Nous disons merci de ce que nous branchons et nos radios à un moment ça. Et nous gagnons tout d'abord pour nous souhaiter nous toutes qui branchons une heureuse année 2019. Nous connaissons un pile qui est passé péripétie pendant l'année 2018. Là. Nous souhaitons en 2019, ça a changé pour nous et surtout pour le pays d'Haïti. Nous n'avons pas excusé nous du fait que nous ne sommes pas capables de saluer chaque monde séparément. Et nous avons juste dit, quel que soit le côté, que ou ici en Floride, que ou New York, Canada, Massachusetts, que ou Brésil, Chili, que ou Mexique, que ou dans le pays d'Haïti, d'une façon spéciale, n'a pas dit ou honneur et respect. Nous avons plusieurs radios que ou permettent nous saluer, qui ont relayé l'émission à soi, on a parlé d'eux, et permettent que Mali, l'île rapidement pour me dire nous, parce qu'il y a plusieurs stations de radio et qui branchaient à Port-au-Prince et dans des villes de province qui ont relayé nous à Souéa. N'appé tout d'abord saluer tout le monde qui attendait nous sur radio et Planète des Stars dans le Lambi, Radio Express dans les Ogans, Radio Africa dans Tomgato, Radio Beltine dans Dabmari, Radio Technologie dans Rivière Froide, Radio Makaya dans Okaï, Radio FAEDH dans Sodo, Plateau Central, Radio Eco Nouvelle 91.9 FM, Radio Nouvelle Génération 87.3 FM. À ce soir, nous parlons d'une émission spéciale, Jean et Bokawella, et pour les gens qui connaissent déjà, n'a pral gagné tout d'abord pour nous relayer une émission qu'avait présentée depuis Washington avec madame Eugenia Charles et qui pral parler avec mon avocat et qui c'est monsieur Marcel P. Denis sous dossier important qui consistait de $50 avec sous transfert bien entendu avec 5 comptes par minute que le gouvernement ou l'État pays d'Haïti a fait haïtien au pays depuis en 2011, jeudi, et en plus, le monde par contre, d'équipe revient, d'équipe mendicance l'agence. Et puis tout, et pour nous connaître que, et il y aurait l'État haïtien avec en plus l'autre Zotobré, ancien président, avec moun qui occupé de affaires transfert et moun qui responsable a fait téléphone pour être digital avec la comme dans le pays d'Haïti, yo relé au tribunal dans New York nous parle qu'on est bagay ça. Nous tout a fait nous connaître que lundi qu'a vinn là, pral gagner yon gros bagay côté que haïtien qui fait pièce relé et mouché Donald Trump qui c'est président américain devant tribunal fédéral dans Brooklyn New York, nous pral qu'on est un peu sous bagaille ça. Et puis tout, et n'a pas fait nous connaître que, et 9h-10h, qui déjà a commencé là, nous parlons gagner pour nous brancher ensemble avec Madame Eugénia Charles, et puis 10h-11h, peut-être un peu plus tard, nous parlons gagner avec nous en direct
avocat Marcel P. Denis sous dossier important ça sort dit nous côté que haïtien TPS yo yo relé monsieur Donald Trump dans tribunal pas bon ici. Donc on nous dit nous que gien pile gens nous capable tendre radio dans moment ça d'ailleurs on nous dit nous sous Facebook dans moment que n'a parlé avec nous là nous capable aller sous radio télévisé sous Facebook n'a prend nous TuneIn n'a les nous taper radio télévisé YouTube radio télévisé et si nous voulons tendre sous audio now c'est 712 770 7606 712 770 7606 Zeno Radio 712 350 71 Zeno Radio 712 350 71 et si nous voulons prendre sur internet là n'a fait www.radiolouvrier.org www.radio écrit RADIOLOUVRIJE.org c'est pas .com non c'est .org. Ceci dit, gagnons camarade qui t'a préciré les noms que c'est là au Caï que monsieur y est. Monsieur a parlé de une situation dans commissariat au Caï là nous pas permettre que li by information en attendant que nous aller directement avec madame Eugenia depuis Washington et puis après pour nous venir avec et bagaille Jean de Dillon avec avocat ça qui c'est maître Marcel P. Denis sous un dossier qui vraiment a fait actualité. Nous pral essayer aussi nous joindre Zamir qui vraiment lire les nous plusieurs fois jeudi pour voir s'il a passé un bagaille. Donc nous pral aussi nous joindre dans le moment que n'a parlé avec nous là pour nous aussi n'a permettre que lui passer message lui a parce que après ça nous pas capable prendre téléphone. Bon, il paraît que c'est lui même qui peut-être a essayé reler nous. Nous pral voir est-ce que nous ca joindre une deuxième fois si toutefois nous pas capable faire ça n'a pas temps de reler nous de préférence parce que il était supposé reler nous depuis la ville d'Ekay. Bon, n'a quitté le reler de préférence et nous appelons saluer tout le monde dans radio Makaya qui dans Okay qui dans moment ça et appétant des émissions spéciales ça émission l'ouvrier de la VG sous radio télé l'ouvrier permettre que nous saluer Emmanuel Joseph Junior Jean collaborateur nous qui toujours aider nous dans programmation radio ça et n'a pas saluer les amis nous n'a pas saluer et cousin nous et Ernst Daphnis Titi qui dans New York ainsi que Guy et Daphnis qui dans New York captain de nous et tout le monde que nous pas gain chance pour nous saluer yo là dans moment ça n'a dit nous à la ronde badé radio télé l'ouvrier et saluer nous toutes pas faire jalousie et n'a pas tout voyons une pensée spéciale pour radio Kiskeya comme nous connaît radio Kiskeya bouler rapide nous souhaiter que toute bagaille capable fait pour que radio Kiskeya avant longtemps vini sous cadran parce que nous connaissons radio que communauté haïtienne dans diaspora apprécie en pile surtout journal 4. Donc depuis quelques jours nous pas gagné nous apprécie ça et nous demander avant longtemps pour radio Kiskeya capable venir en onde. N'a pas saluer Jacques Hippolyte et moun pa nous amis nous et fami nous qui lui-même avec tout le monde qui dans Philadelphie, Jacques avec famille, n'a demandé, n'a pas saluer yo et nous souhaiter yo la raison est souhaiter yo bonne année 2019. Bon, n'a pas essayé une dernière fois parce que nous pas qu'à rester en pile temps pour nous pas rencontrer ensemble avec Eugenia et qui lui-même Charles, si nous pas joindre camarade la Kounia, n'a obligé aller directement. Bon, n'a essayé faire ça et puis un peu plus tard, nous ka ouais, si nous joindre camarade là lui-même qui est supposé font y parler ensemble avec nous à soya. Sous sa cap passé, non, commissariat au Kaila, m'tende qui envahit avec de l'eau. Donc, en nous essayer, aller joindre madame Eugenia Charles, nous connaît qui commence déjà avec émission li, et n'a parlé de émission, et ça que li gagne, combit la caille, non, Washington.
M'a demandé yon agent, un agent qui nan commissariat au Kaila, li kare le numéro téléphone ça, et que m'bral bali là, parce que messieurs les camarades là, nan radio Makaya au Kai, et paraît-il que nous pas ka rentrer en contact, m'ba kon si c'est téléphone qui déchargé, parce que yon te dit nous téléphone qui ka déchargé, et n'a demandé yon même yon agent nan commissariat au Kaila, parce que nous avons commissariat li inondé complètement, que yon voye ba nous, Texas, n'a demandé agent commissariat Okay, n'importe agent et police dans commissariat Okay là, les capables relayer nous dans numéro que nous allons dire là, c'est 44 37 65 87 44 37 65 87 44 37 65 87 parce que nous essayons relayer camarades là plusieurs fois, bien que le terrain est nous en pile tout, mais ça va sembler que le téléphone est déchargé. Yo capable reler nous n'importe agent captant de radio, radio télé l'ouvrier dans le moment ça, au CAI, n'importe agent qui dans commissariat, yo capable reler nous dans 44 37 65 87 pour yo ba nous détail comment situation est dans commissariat au CAI là. N'importe ça que n'a fait, n'a pas obligé camper pour nous tendre doléances. Donc encore une fois, n'a demandé pour que n'importe moun, n'importe agent police qui dans commissariat au Kaila ou bien camarade là t'a relé nous plusieurs fois dans radio a est capable relé nous dans 44 37 65 87.
Chaque soir, on dormi à Jezabel. Ou père, dit, femme, aïe, yo, que yo, belle, femme, non, belle. Mon respect, non, quand vous m'en respectez, en Gabriel. Welcome back to WPFW 89.3 FM Washington DC. Bon retour sur WPFW 89.3 FM Washington DC. Ou attendre les conduites la terre. C'était Wycliffe Jean Diaspora. Non pas respecter Diaspora. We are going to bring on Marcel Denis, avocat Marcel Denis. Bonsoir et bienvenue dans conduites la terre. Good evening. Welcome to conduites la terre and thank you for your patience. Pas de problème. Bonsoir, Tina, comment y est? Et n'a pas du tout que je suis un autre, c'est un autre jour de I would like to say good evening to everybody and thank you for having me on the show. Most definitely, thank you again for your patience. And something that is very dear to our hearts, you know, I had promised my listeners this evening we were going to talk budget. But when I saw that complaint, I was like, "Girl, I got to switch this around." So this was something I needed to talk about because I particularly very care about the $1.50 that's going to Haiti and how it's being used, and of course the 5 cents that they are taking for every phone calls. So before we get into that, tell us a little bit about you as an individual and then your, you know, your career and what's pushed you to, you know, engage into this lawsuit. Well, I mean, I was born in Haiti. I was born in the town of Kai in the south of Haiti. I spent the first 14 years of my life in Haiti. We migrated to Port-au-Prince, Tafu, and then Tafu Mayetu. I'm on the phone, Tafu Mayetu. Tafu in the house. Tafu in the house. Mais Tafu, donc, qui est dominé aux États-Unis à l'âge de 14 ans, fait études et premièrement, et secondaire et universitaire et New York, donc et Queen. I attended City College of New York, et puis de là étant, New Jersey, Rutgers, Newark, pour l'école de droit, une graduation en 96. Et puis après, et l'école de droit, je suis entré en Haïti, actuellement, parce que je viens plus de choses que je suis apprécié en Haïti. Et je me retourne ici, à partir de 2003 à nos jours, et nous avons frappé, et I'm more focused on contract litigation, okay? I'm a general practitioner, okay? Bon, c'est à partir de ces droits généraux, mais avec une concentration plus in contract law. Yeah, but, you know, I dabble into a little immigration depending on the complexity of the issues. I don't do basic immigration form filing that I don't really get into. But when it's a little bit complex, I get involved. I do a little bit of maritime, again, depending. I see. So that's practically it in a nutshell. Vraiment vrai, et qui est des Haïtiens, parfois que je chame mon moment en juin, et même le président de l'Ontario, c'est même l'époque nationale et non l'Ontario, en année 81, c'est pour ça que c'est qu'on a pris les nouveaux people. And I never denied my heritage. Non plus c'est quelque chose à côté de passer du tout, c'est pour les Haïtiens. That's important, that's definitely. Mm-hmm. So let's delve into this a little bit. So your law firm, Dennis Law Groups, along with Mr. Rodney Austin's. So you guys decided to file this lawsuit, action class lawsuit, on behalf of Mr. Celestine's. Why did those two law firms decide to file the lawsuits? And you, of course, being Haitians, the relevance of it. Well, I mean, this is something that we have been eyeballing for a while, okay? And the primary reason Mr. Philiston wanted to bring his lawsuit is to ensure that what we were promised, okay, is actually coming to pass. Selon Mathieu lui-même, il essaie de nous comprendre que l'Ivoire mettait l'école gratuite chérie. Donc, il décide lui-même de faire charger nous $1.50. OK? Ça, il me fait une chose claire. C'est pas comme si Mathieu lui-même avait une idée
et pour les soldats. Ça, ça fait deux fois que l'État haïtien a déjà gagné en bas constitution 87 là, ok, à 32.1, obligé pour que nous les soldats. Ok? Plus, et nous venons gagner des conventions sur le droit de l'Union, que Haïti, même peut-être pas sa convention internationale, n'est-ce pas? Et donc, et Haïti, il ne fait pas de convention internationale, ça, qui oblige Haïti encore une fois, l'État haïtien, pour lui payer l'école de la petite chérie, au minimum, tout le monde qui est dans l'école primaire. Ah ouais? Okay. Et plus encore, on y a là, nous avons l'autre convention. Et qui c'est convention sur le droit économique, social et culturel, tout, qui oblige Haïti, l'État haïtien, à payer l'école de la petite chérie. Et Haïti signe une convention, ça? Haïti signe une convention, tous les deux conventions, ça. C'est-à-dire que non seulement en bas constitution, non, mais en bas tous les deux conventions, ça y est, que l'État Haïti, l'article, dit une loi en le pays d'Haïti. Yes, indeed. Donc, exactement. Donc, nous avons trois lois vraiment vraies qui disent que nous devons gagner l'éducation d'Haïti. Donc, les matériaux viennent avec le mouvement. Et nous croyons que tout Haïtien, les gens qui veulent que Haïti soit en plus dans l'objectif, c'est parce qu'on est nécessité pour éducation, qui est à éducation. D'ailleurs, quoi qu'on a nous-mêmes pas pour y aller en bas, ça a été en dénouillé, c'est pour y payer l'école d'éducation. Ok? Quoi qu'on a dénouillé, comme là, aller vraiment vite pour éduquer. C'est que nous croyons vraiment que l'éducation, c'est pour y aller pour nous. Non. Et ça, c'est pour vous dire que vous êtes là. Bon, ou même tout, comme vous, as a Haitian person who came here as a teenager, and you see the benefits of education. I myself, I came here as a teenager, so we saw the benefits of education. So our parents, even those who are street vendors, even those, the peasants far back, who has no education whatsoever, but they believe in giving their children an education because they see that as a path to a better life and to a different lifestyle than they themselves has. Correct. You see? So in light of that, we know for certain that that is the way to go. I think that is one of the reasons, irrespective of the fact that Matéli knew what he was doing, he was not empowered to do, and that we, the people as well, believe that he listened. If that is what's going to take the country out of the situation that it is in, then we are all for it. Okay. I want to take you back a little bit. When you mentioned that former President Michel Martelly was not empowered to, I know he put out a decree, that was what, in 2011, he put the decree that began to charge us that $1.50. Why wasn't he not empowered to do that? He did not put a decree. Mm-hmm. There are two things going on here. He got this guy named Charles Castel, who was the governor of the RH, okay, the central bank. He got this guy, Charles Castel, to put out two circulars, circular 98 and circular 7. And it is through the so-called, we all understand what is a circular, or circular, okay? C'est juste un document qui est publié par une grande quantité, okay? Mais ça va dire que son loi que lié, c'est à travers Castel, BRH et gouverneur BRH, là, là, qui mettait ces culottes à l'intérieur. Et encore une fois, attribution des RH, ce n'est pas pour faire loi pour taxer le monde. Okay? C'est juste un regulatory body. Its job was to simply regulate, okay, financial institutions in Haiti. Now, to answer the question as far as Martelly is concerned, Martelly issued a presidential order. That is where the 5 cents came from, okay? Allowing Nacom and Digicel to charge us an additional 5 cents. On every phone call, okay? Either going in or coming out. Going in and coming out of Haiti, okay? And by the way, actually, there is a lawsuit that Digicel filed against a company here, I believe named UPM, in Colorado, I think. Mm-hmm. Is it Colorado or somewhere in the United States, whereby that particular UPM says, hey, listen, you know, we were able to find a way to get international calls to Haiti, whereby the local, the folks, you know, making the international calls to Haiti are being charged local charges, which is 9 cents per minute. Okay? But Digicel currently was
actually, instead was charging 18 cents per minute, double the amount that that other company was able to charge. And with the addition of the 5 cents, okay, by Mastery, now we are being charged 23 cents per minute every time we bought it. Instead of 5 cents. So, for community Haitian, you know, the program is bilingual, so I have my English speaking listeners who are listening, but then for community Haitian, que mon connaît qui affecté avec 23 centimes, est-ce qu'on capable pour yo en créole et m'a saluer Radio Télé Louvrisieux qui a pour retransmettre le programme nous en Floride et en pilote station encore qui a pour relier le programme, ça nous salue nous tous. Dis-nous en créole, 23 centimes à payer, à qui raison qui vient à payer, écoutez aujourd'hui. Bon, 23 centimes, ça, c'est Mathélie qui décide et passer un décret. Donc, okay? pas un décret. Et passer un lot présidentiel. OK? Je vais faire un lot présidentiel pour que je lui permette NATCOM avec, avec Digicel pour charger nous 5 centimes de tout appel qu'a entré et tout appel international. OK? Qui est aussi à l'extérieur et qui peut aller tout à l'extérieur. Mais avant ça, le digital de compte chargé nous 18 centimes. OK? Avec des crêtes, ça. Hein? Et pas des crêtes, pas des crêtes, c'est des crêtes liées sur l'autre présidentiel. L'autre présidentiel. Mm-hmm. L'autre présidentiel qui permet que digital avec la com et chargé nous 2 centimes en plus. Comme il y a là, la question qui vient présenter à avant de poser une question qui passe PMS et pour qui raison que nous disons que Mathélie pas qu'il voit ça. Oui. Selon la Constitution, OK, à 611 Constitution dit qu'on seul et institution dans le pays d'Haïti est capable de lever et passer une loi pour taxer nous, OK, ou bien pour élargir taxe-là, ou bien pour réduire taxe-là. Et c'est seulement le Parlement. OK? Et le Parlement, c'est-à-dire que les chambres députées, qui ont les chambres basses qu'on a ici, et la haute chambre ou bien chambre sénat. Okay? Donc, la Constitution permet que, et une ou trois instances, une ou deux instances, donc, il y a deux instances. C'est-à-dire l'exécutif, là, matériel, il doit même introduire une loi, OK? Et puis, le chambre basse lui-même, il faut gratifier la loi, ça, et puis, pour le pouvoir, il va être chambre sénat. Et sans le champ Sénat lui-même, comme dans là, il va regarder si il n'a pas gagné problème avec les lois que nous présentons là. Lui-même, il doit dire pour qu'il ratifie les lois, pour qu'il y ait une loi. Non, mais en nous, la fonte de la on a dit que le président a envoyé une proposition de loi à la Chambre des députés. La Chambre des députés a voté sous lui, si il y a un accord avec elle. Après, il a fini de voter sous lui par le champ Sénat, pour le champ Sénat, il a voté sous lui pour retourner par le président, pour le président et publier lui dans le moniteur. Exactement. OK? Et en parlant de moniteurs, parce que je pense que vous avez des moniteurs là, trois cas mon en Haïti va composer des moniteurs. Moi-même, je cherche toute journée. L'enjeu, il a vu vous là en dans les Thionville, OK? Mais le problème qui est présenté, il y a un journal officiel qui a supposé à la santé de tout le monde. Qui a supposé publier dans la carrière et le pays entier. OK? Mais son petit bagage qui au côté spécial peut-être parler, et si qu'on va connaître que bon loi que passe dans le pays là, avant les gens qu'on va connaître que si côté pour une loi ça a une, qu'on va prendre cette loi ça a une autre. Ok? Et même là qu'on va le moniteur, faut qu'on puisse moniteur exactement si le loi sorti, qui est la qui moniteur que c'est sorti, qui est le moniteur là, ok? Il y a pas une façon pour qu'on fasse une recherche bien vite pour qu'on puisse rechercher. Et ça, c'est un problème. Chaque fois qu'on allait dans le moniteur, pour mon habitant, on trouvait que dans le dernier siècle, il n'y a pas vraiment de problème. Je suis content que nous allons de façon pour qu'on ait ça. Ce n'est que l'IPA computerise. Exactement. OK? Donc, le coup de passage, que nous avons bien retenu sur ce point, c'est que Mathélie lui-même, soit disant, il introduit, il n'y a pas introduit loi pour la 50 ans, il faut le dire. Parce que si on regarde avant le projet de loi que vous présentez, il n'y a rien là-dedans qui dit la 50. OK? Donc, le fait l'irisé, ni tout va dans rien qui dit qu'il y a chargé 50 ans. OK? Donc, le fait l'irisé, chambre députée, a passé libre, et puis l'irisé dans le Sénat bloqué. Il ne va jamais arriver débloqué pas avant
22 septembre 2017. C'est vrai, ça en bas, Josnet. Et à tout ça, encore une fois, une loi supposée claire, une loi supposée dire nous exactement, mais ça l'a fait, mais ça l'a supposé faire. On faut dire qu'on peut, l'on dit loi vient voter sous gouvernement Jovenel Lala en 2017. Est-ce que les sénats vient voter, est-ce que Jovenel lui-même publié dans mon moniteur? Mon cher, Soyons qu'à monter $50 sans nous poser question, personne ne va pas avoir de liaison. Exactement, parce que l'eau a clair là. Okay. Donc, dans le coup de 4 ans, et ça vient d'arriver qui fait que nous dit que Matéli n'a pas gagné pour voir ça, pour lui ni monter à ce qu'est l'État, ni pour le descendre à ce qu'est l'État. OK? Mais c'est ça que nous-mêmes fait. Il fait à travers les RH. Ça, c'est que pas oublier. BRH, c'est soi-disant, ou quoi que je ne joue à l'international, et on bataille. On bataille entre Jovenel avec un certain shérif. Shérif Abdallah? Yes. OK? Ce qui est ce qui fait le gouverneur de Santal. Ah, bah, ça, c'est un gros bataille parce que moi, qui vient pour cloquer l'argent? Il y a vraiment bien limité pouvoir président. Okay? Le limité pouvoir président, c'est de façon que, pour genre de et méchanceté, ça, que Matéli mettait en motion, pour monde qui est président, est capable de mettre en motion. Now, let's go back into and put things a little bit into context for our English-speaking listeners. We have a complaint. You filed the complaint with the courts. And which courts have you filed the complaints with? The very same court that is going to listen to the TPS hearing, okay? The federal district court for the Eastern District of New York. In New York. Eastern Brooklyn. That's correct. Okay, so now in the complaints, when I read it, you are claiming violations of the Sherman Act. Explain to our listeners what is the Sherman Act and what happened to a person who violates the Sherman Act. Well, the Sherman Act goes back to 1890, okay? And the trust, it's a very interesting story about the trust. The trust comes about in England. People used to just go, because I trust you, I'm just going to give you my land, the deed to my land. Okay, that's where the trust comes into the law. So I would trust you with the deed to my land or my anything that I have about it. Okay, I would trust you with it. So that you can either give me money or you can allow me to work for you or whatever the situation is, then that's how the trust became. And then now in the 1800s, now you have big corporations now that they were known as trusts as well, okay? They were the ones controlling commerce. And then we have this guy, John Sherman from Ohio, and he was one of they call him an expert in regulating trade. He came up with the idea along with two or three other senators, and they came up with the idea whereby they were going to enact a law, okay, to prohibit people, actually states as well as getting into commerce with foreign nations, to prevent them from committing certain acts that would put a restraint on trade. Okay, that law itself was further amended in 1940 with the Clinton Act to include price fixing as well. Okay? So any entities or any individuals who get together to enter into an arrangement whereby they would fix certain prices
on goods that will affect commerce in the United States would be deemed to be in violation of the Sherman Act. Okay, so I saw in the complaint you also talk about horizontal price fixing. So help us understand, like, you know, what is horizontal price fixing or versus vertical price fixing? What does that mean? Well, just like horizontal means, it's across, it's across a straight line, right? Mm-hmm. And it's a straight line, which means that all the guys at the top, now we have the money, we call these people money transfer operators. That's what Western Union is, MoneyGram, PAM, Unisphere. They are MCOs, money transfer operators. Because they are the ones providing the service, because they are the company, servicing the community of the country as a whole, or the world as a whole, with such a service, they enter into the agreement, then that creates the horizontal agreement rather than there, because they are the guys at the top. Now, when we talk about vertical agreement, it's something that comes from the top, okay? Let's say Nike, okay? Nike and Reebok, those guys are big cheese. And then they are retailers, okay? Mm-hmm. That is at the bottom. So the retailers now, if they decided that, let's say Nike decided to enter into a price fixing agreement with a retailer, then that is where the vertical comes from, okay? One is straight across and one is from up to down. Okay, so Okay, so on une pause musicale bien vite qui c'est diaspora pamakak. Donc, on a pour une pause musicale bien vite qui c'est diaspora pamakak et puis on a tourné venir dans notre petit bout de temps. N'a pas rappelé nous que n'a pas d'émission l'Ouvrigé, la Vigée sur Radio Télé L'Ouvrigé. Dans le premier temps, nous avons attendu une émission de radio avec Eugénia Charles dans Washington et qui avec avocat nous t'a dit, on a parlé de avocat Maître Marcel P.Denis, et nous voyons que Gampil anglais et que y a parlé, c'est comme ça, et il est fait dans Washington parce que c'est une radio, nous qu'a dit, organisation, et dans Washington, donc il est obligé de faire en deux langues pour que moun comprenne qui ça y a dit, mais une fois que 10 heures arrivé, après que nous fin parler peut-être 5 minutes ou bien 2 minutes avec un camarade qui est dans Okaï, dans Radio Makaya. Nous parlons d'un avocat, ça n'a pas les créoles net, allez, sans prendre souffle. Donc, patientez, continuez dans l'émission, c'est une émission très importante, très intéressante. En continuez, tendez-le pour nous donner des informations qui sont sorties. In the diaspora have been paying, and we want to make sure we see where that money is going. And again, we want to send out a kudo to Radio Télé Louvrier, who is relaying our program this evening, and all the other stations that are relaying the program. Nous dit bonsoir tout le monde. Nous dans Washington DC, la capitale côté Trump hier, et lundi qui a 7 ans là, nous parler natural avec Trump sous question TPS. Marcel, vous ensemble avec nous toujours? Voilà. D'accord. Donc, on nous garder question et nous avons parlé de Sherman Act et qui ça s'aille. Nous pouvons pas les détails pour Haïtien ou ça Sherman Act. Parce que Haïtien a besoin qu'on ait ça Sherman Act. Comment on parle qu'on est choc matériel. Parce qu'on comprend ça. Alors, c'est matériel qu'on est choc matériel. Et Sherman Act là, au-delà de Sherman Act là, the Foreign Trade Antitrust Improvement Act, okay? That was enacted in 1982. And given fact that there was a company that was in conflict with an étranger,
pour affecter prix et service ou bien et marchandises dans le pays Boïti là, nous capable aller vin devant tribunal Boïti. So ça va nous juridiction sur yo. Ça va nous juridiction sur yo ou bien ça que mon en Haïti ou bien français est capable de compétent. OK. Et sur yo. Donc et c'est chemin à la lui-même, il dit que un groupe moun ou bien compagnie pas capable entrer dans faire une série de actes malhonnêtes qui est limité et commerce. OK? C'est-à-dire que moi-même, avec vous-même, si nous avons des business, nous sommes capables d'entrer, pour nous dire que nous avons passé des choses à la bonne là, la bonne chose à 15 dollars. Comme c'est moi-même avec vous seulement qui a fait chaudière, nous entrons dans un accord pour dire que nous mettons les chaudières à 15 dollars. Donc, pas dans nos gens, nous sommes capables de faire rien que pour acheter chaudière à 15 dollars. OK? Donc, c'est ça que nous venons de faire. Avant ma qualité de venir dans le dossier, tout l'argent que nous voyons en Haïti, nous parlons de Western Western Union, MoneyGram, Transfer et CAM. Alors, il faut dire que MoneyGram entre dans la logique là. MoneyGram, oui, c'est celle qu'on paye. C'est celle qu'on paye par la donne. Lorsque vous contactez MoneyGram, vous voulez le bail, vous demandez, OK. En bas, loi, bon, ici, là, chaque coup, bon, mon reçu, il faut des détails aussi avant moi. Et ça, son bagage que une licence ne peut pas faire, ça ne peut pas faire. Il n'y a pas bon détail aussi. Et au lieu de prendre la 50 euros de raison, pour la 50 là. Et Western Union lui-même, il boit les deux que dollars 50 ans, c'est frais BRH. Mais aussi Western Union, là, tout le monde qui connaît les transferts, connaît que son bagage qui a 30 pouces de long. Oui, exactement. Pourquoi tout le monde fait 110 ans et aussi à qui vous passez? Pourquoi oui. De hauteur, n'est-ce pas? Tellement long. Et puis tout, écoutez au petit? Au petit, mais mon agent et Western Union, non, il ploie le barou. Il ploie dans les potes 5, 6, 7 morceaux pour le barou. Et côté le ploie là, c'est côté pour pas avoir boué pour la 50 ans aller et PHP. Ok? Mais comment que Western Union t'a remis marqué mon bolet, c'est ça pour faire connaître que pour le barou est vraiment vrai qui t'a dit. Ok? Et même côté ça pour montrer que, well, il déclarait qu'il s'accueille pour la 50 ans. Ouais. Mais nous tous connaissons que Matéli lui-même fait promotion, tout le monde fait promotion que dollars 50 ans sont accueillis pour l'éducation. Mais nous, pas de côté vraiment qui identifie que dollars 50 ans, dans le Western Union, dans l'IDU, c'est BRH là, le vend. Et tout à l'heure, à noter dit BRH fait un circulaire sorti 98 et 97 pour mettre comment il a collectionné l'argent ça, que nous connaissons que il n'y a pas de droit. Ou légalité pour y faire droit, c'est le Parlement qui doit faire droit dans le pays, mais ça fait quand même. Donc, dollar 50 ça, les BRH prennent dollar 50 ça, ça le fait avec le côté là. Bon, selon BRH, mais côté Magoui, la ligne de toujours. Selon BRH, dollar 50 ça, le charge noir, c'est pour faire test, pour faire inspection, pour faire vérification, pour faire certification. C'est ça, Blandi. Alors, mais ça a été un dit. Ça va faire sens. C'est absurde. Mais on nous quitte ça. Exactement. On nous était en dedans dans la barre. Lorsque la douane, on dit la douane, il faut que l'on puisse vérifier. OK? Et il faut que l'on puisse inspecter. OK? Il y a une équipe qui vous vient faire et qui s'est obligé de certifier. On va être chargé net. Donc, il fait le même mouvement avec 3 000 $50. C'est comme si on a dû obliger à prendre des tests. Qui ça a une testé là? Qui ça a une vérité? Qui ça a une testé là? OK? Donc, c'est là que Magou l'avait fait en bas, circulaire 98 et numéro 7 là. Et de plus,
Et circulaire 07 a déclaré que de la circonstance est supposée prendre seulement tout transfert qui sortit des États-Unis, transfert qui sortit du Canada, transfert qui sortit des îles Turques, n'est-ce pas? Et avec transfert qui sortit Bahamas. C'est quatre côtés, quatre zones géographiques. Okay? Mais Western Union, CAM, Unitransfer a décidé qu'il y a plein de dollars 50 quelque part. Hôtel dollar et transfert. Depuis son Haïti, depuis son monde qui a voué comme en Haïti. Monde qui a voué comme en Haïti, il y a plein. J'ai fait nous avec ce New York qui travaille dans le bateau, c'est un domaine qui vaut 50 dollars par famille. J'ai fait nous avec ce New York qui paye 3000 dollars pour aller là, il faut aller dans Chili qui va se faire parce qu'il y a plein de gens qui aller mieux dans Chili. Je vois 50 dollars par famille en famille en Haïti, il y a plein la même. Et plus encore, ok, pour montrer aux gens que le mouvement ça s'en va être chargé, si que moi-même avec on a la banque, n'a pas virement la banque, ok? Si on a fait virement la banque, je vais pas charger nous de la banque. Intéressant. Donc, en dans le pays d'Haïti, loi ça lui-même peut-être parle extrêmement discriminatoire. Oui, c'est seulement appliqué sur nous-mêmes qui dehors. Il appliqué non seulement sur nous-mêmes qui dehors, il appliqué sur. J'ai fait nous avec ce New York qui n'est pas capable de compte en banque parce qu'il y aura des business dans le pays d'Haïti. Oui, ça c'est vrai. Ok? Il y aura des business compte en banque. Et plus encore, pour faire un virement à la banque, il prend 2-3 jours. Donc, si on voit l'argent dans un compte qui est urgent dans l'autre pays, on n'est pas capable de prendre 2-3 jours pour virement ça fait. Donc, on est obligé à le faire transfert. Donc, on est obligé à faire transfert. Et dans ce sens, on va payer nous la 50 ans. Dans ce sens, on va payer nous la 50 ans. Parce que ça dit, si vous avez un bon pays, vous avez un pays, vous avez un compte en banque aux États-Unis, vous avez toujours un seul pour débloquer tel compte ou tel monde dans quel que soit le pays que vous avez. Ouais. Donc, mais nous-mêmes qui avons des agences en Haïti dans l'autre banque étrangère, il faut que nous capables de monde. Mon cher, on peut passer, nous avons un qui a un problème là pour envoyer 1000 dollars à Yutina. Moi, je suis obligé de nous aller dans le CAM, ministre transfert. Ou bien Western Union pour voir comme ça va. De plus, une transfert là lui-même, il est plus être chargé toujours. Okay? Une transfert là lui-même, ça fait l'effet, il écrit tout reçu par là. Et que, selon ce que l'on a dit, là, toute l'argent sociale à l'étranger sujet à 1,50$. Ok? Il a sujeté à 1,50$. Et tandis que ce n'est pas ça ce que l'on a dit, même. Le gouvernement ici en vente ça. Tout le monde a confié au droit avec Unipamp, qui s'est par exemple fait une transfert, il a quitté le parti pendant. Il a ramassé l'âge. Il a ramassé l'âge. Donc, je voulais vous dire, parce que j'ai fait 9h51, I got to make way for the cipher. 2011, we are in 2019. Do you have an estimation of how much money they have collected? Bon, la pas j'ai basé tout ça que mon excellent dossier a même dit. La mort by Miami Herald ont entrevue en 2012. C'était la mort déclarée. Ils ont ramassé entre 40 et 50, même là, ça a 50 millions de dollars. Ouais, ça, c'est pas le développeur, vous savez. Ils ont ramassé entre 40 et 50 millions de dollars. Ils ont besoin de 100 millions de dollars pour être capable de mettre un système d'éducation jumpy. N'est-ce pas? Donc, si que en 2012, un an après que Mathilde a commencé à ramasser l'argent, même le que les bâtiments n'ont aucune loi pour le ramasser, commencé à ramasser, nous pouvons même apprendre que j'ai mis des circulaires à l'arrière. C'est le sergent Magou, il a fait ça. OK? Donc, un an plus tard, entre 40 à 50 millions de dollars selon Lamotte, Laurent Lamotte, le premier ministre à l'époque, déclaré que j'ai ramassé. Je ne veux pas essayer de comprendre comment faire. 7 ans plus tard, finalement, DRH sorti avec un document déclaré que c'est seulement 120 millions de dollars que vous collectez pour toutes ces entailles. Donc, arrêtez les mini-miao. Bon. The time is running. So I see in the complaint
I have to tell our listeners, those of you who are listening, the program will continue on with Radio Télé Louvrier. If you are interested, Radio Télé Louvrier is on Facebook, it's on the web, it's on TuneIn, and it's on YouTube as well. We will continue that interview with attorney Marcel Denis on that program. But in terms of your defendants on the complaints that I'm looking at before we close off, you have Michel Martelly, Jocelyn Rivet, Jovenel Moïse, Western Union, Caribbean Airmail, which is CAM, Unitransfer, Digicel, NACOM, the Haitian government. Some people might say, well, why are you putting Privé in there? Because, Privé, lui-même, vous connaissez, nous croyons que nous avons dit dans la Bible qui dit, si on ne va pas bon qu'on n'est pas le péché, le péché. On va faire, vous regardez. Non, moi, c'est ça, la Bible, c'est ça, moi-même, qui dit. D'accord, Privert lui-même, c'est directeur et DG, n'est-ce pas? Privert, soi-disant, qu'on est qui peut le financer. En pile. Privert, Vini. Il était trésorier parlement tout, pendant tout le temps que sénateur. Exactement, ok, pendant que sénateur. Privert lui-même, c'est bataille contre la fréquence-là. Ok? Et puis, je ne veux dire, le monde est le président. Il n'y a pas de fond. Il y a même mouvement, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de monsieur, on va passer, il n'y a pas de fond. Jacques Malone, ça. Moi-même, moi, mettez dans suspension, ok? Et en attendant que bon loi passe, moi, je ne vais pas rentrer dans le logique. So, quickly, in a few minutes, we're gonna let you continue on with the individual minutes to cover more issues on that subject. What are the remedies that the plaintiffs are seeking in this complaint? Well, we are seeking the return of every penny that they collected on losses. Every single penny, plus three times the amount. Okay. That's what we are seeking. Excellent. Okay. I want to thank you for joining us this evening on Kambik Lakai, and then you're going to continue the interview with Edouard Jomunis on Radio Télé Louvrier. Kambik Lakai ouvri est disponible pour n'importe le pour nous continuer à parler de dossier ça parce que ça concerne nous tous haïtiens qui dans diaspora. Un dernier mot qu'est pour nous? No, thank you for having me. Je ne veux dire que je fais ma l'extérieur et une petite question nous plaît. Aller dans le paradis, mais avant d'aller dans le paradis, c'est possiblement pour nous. Ça va? Donc, et bah, parce que je ne veux pas dire que nous intimider nous, parce que nous peur réaction dans le stéréo et vagabond. Ok? Si que nous pouvons lancer un affaire pour que nous bataille pour ça que nous pouvons la donner. Pour que nous sommes capables de faire un demain meilleur, pour Haïti capable de aller mieux, pour nous-mêmes Haïtiens capables de restaurer grandeur nous-mêmes. Africains qui sont dans le pays que vous aidez. Merci pour participation. On a reparlé encore. You are listening to WPFW 89.3 FM, Washington, D.C., with your host, Eugenia Charles. To continue on with this program, you can listen to it on audio now, 712-770-7607, 712-770-7607, or you can check Radio Télé Louvrier. That is radio in the French spelling RADIO-TELE, Louvri, LOUVRIJJE. And it's on Facebook, it's on YouTube, it's on TuneIn. So go on, we'll continue on the dialogue. I thank each and every one of you who are listening this evening. Happy New Year and best wishes to you all. And I am making headway for Decipher. We will see each other again next Saturday. Richard Duenbury, thank you for listening and all the folks who are listening else to this program. Merci pour toute la programmation qui t'a prouvé le programme ça à soya. Chapeau bas, nous devons continuer travaillant pour Haïti capable d'avancer tout bon vrai. Nous allons quitter avec un dernier mot de musique. Ma chèche me joigne pour un lien là. Nous tout est... C'était avec Tinès Salman que nous avons quitté nous à Soya pour dernier morceau musique nous à Soya. Tinès Salman, je vais chercher pour diaspora Tinès Salman. Donc on est comment ça y est, Tinès Salman, on chante pour diaspora Tinès Salman que nous avons quitté avec morceau ça. Parce que l'on vit, nous m'avons même poté.
Des radios télévisées sous émission L'Objet la VG, pas oublier que nous avons fait que Talé à la gagné une émission et qui est sous l'autre station sœur avec nos amis, nous c'est Génia et Charles, c'est dans Washington, côté que l'étape Banon, en pile de formation, et une là-dedans, c'était yon avocat, et que nous parlions dans un moment, on a parlé de maître. Marcel P. Denis. Donc, dans l'émission, et que Eugénia Charles tape, bah, nous t'as lu à la, nous t'ai gagné en pile information, et gagné en pile auditeur qui t'a déjà fait nous connaître dans le pays d'Haïti, que y'a t'es en pile anglais, donc, n'a fait nous connaître que l'émission que nous parle gagné t'as lu là, c'est va en créole seulement, parce que, et nous parle gagné, maître, et Marcel P. Denis, qui pourrait le parler nous en créole, créole maman à papa nous. Et nous avons profité tout pour nous saluer tout le monde qui attend de nous sur Radio Sayo dans le pays d'Haïti, Radio Planète des Stars dans le Lambi, Radio Express dans l'Éogane, Radio Africa dans Tomgato, toujours dans l'Éogane, Radio Belle Team dans Dame Marie, Radio Technologie dans Rivière Froide, Radio Makaya dans Okai, Radio FAEDH dans Sodo, Radio Eco Nouvelle 91.9 FM toujours dans le pays d'Haïti et Radio Nouvelle Génération 87.3 FM dans le pays d'Haïti. Mais juste avant que nous étendions avocat, on a parlé de maître et Marcel P. Denis. En attendant que nous tenions M. Marcel P. Denis, nous gagnons un camarade depuis Okai qui lui-même gagne un incident que l'Ipral explique nous là. N'a pas le permettre que lui-même, tout d'abord, et faire nous connaître
et qui ça lié. Et n'a pas de nous, bon, patience, c'est dans quelques minutes et juste après, nous allons joindre Maître Marcel et Marcel Denis, lui-même qui peut faire parler avec nous. Tout d'abord, et salut camarade, comment y est, ou à peu présenter à mon capitaine d'Oyo, et puis dis-nous qui ça qui passe, comment y est. Moi, salut, M. Kedwitch, Obélus, moi, salut, tout auditeur, Radio Nouvelle. Je vous salue pour toutes les livres de cette introduction, spécialement mon pays, mon local. Mm-hmm. Et comment est-ce que vous ok, non, pas moi, c'est Jean-Louis. Mm-hmm. Non, pas moi, c'est Jean-Louis Mackinson. Et moi, c'est un agent policier qui a travaillé dans le commissariat 4 Chicken. Ok, agent policier, qui niveau où? Ok, moi, c'est un 28e promotion, moi, c'est agent 1. Agent 1, ok. Est-ce que vous avez dit nous. Comment la situation est, qui ça exactement qui gagne dans le commissariat au Kaila dans le moment ça? Bon, moi, je passe dans notre pays, dans le Saint-Domingue, c'est là que je suis allé après du pays d'Haïti. Mm-hmm. Moi, j'ai retraité policiers et dominicains. Mm-hmm. Là, je m'en parle bien dans le commissariat au Kaila, dans le début de la vie tombée, j'en ai. Il y a des images là que moi, je peux aller. Bah, il y a un numéro de fouille, bah, il y a un peu de policiers qui ont été noyés dans le commissariat. Mais là, mes amis, c'est comme si c'était un matelot mouillé. Matelas tellement mouillé, vous mettez les pinèzes, votre matelas, vous commencez des pinèzes parce qu'ils ont mouillé, ils sèchent, Imaginez, ils ont prisonnier qui est en garde à vue. Même pas les garde à vue, côté où ils étaient prisonniers au caché, du côté où ils étaient pour le bouger de peignoir. Imaginez, de là, vous tombez. L'eau à votre d'un côté prisonnier, c'est sous bout de l'objet quand il y a un père à vie à côté pour le sécher de l'eau, pour la prendre, il y a vraiment un moment d'avant toi pour sécher de l'eau. Il va t'en faire comme ça, il va aller comme ça. Et de toi à côté de dormir, tout, pas comme pour matelas pour dormir. Concrètement, à la pile, et maintenant, il y a l'autorité capitaine de voir, c'est pour qu'on ait une ça, à un titre de la pile, spécialement pour militaires américains, tout, pour le monde qui n'a pas été tout, qui comme étranger, pour étager après des policiers haïtiens. Maintenant, est-ce que gagne courant dans le commissariat? Vraiment pas dans le commissariat, c'est dans le frère noir, nous dit. Est-ce qu'il y a une lampe, il y a le petit soleil, nous avons chargé pour nous éclairer avec le chef de poste. Au moins, et bon Dieu pour nous pas gagner courant, parce que le l'eau qu'on ça et gagné, le loup prendre courant et c'est qu'à plus grave, côté que capable de gagner. Exactement, parce que l'électrique va marcher avec deux hommes. Mm-hmm. On n'aime pas être là-dessus. Donc, où est-ce que vous-même, vous allez dans vos zones pour qu'on va dépasser quatre chemins? Ou dans le bout de vos frontières, vous allez dans le commissariat, dans la vie d'abord, il y a les machines qui vont gérer, qui vont parler la vie, qui vont faire la vie, il y a des commissariats pour parler la vie. Mm-hmm. Alors, et forme de quand ça me garde un petit bar, un petit genre comique là, et alors on tire relax toujours, et parce que l'autre dit comme ça que Pinez et Gaillé, l'autre bois, et gagne un prophète qui est Mackinson, s'il était jeune Pinez, il a fait lui-même. Ah, moi, c'est vraiment l'aime tout là, c'est un problème. Comment faire une fois qu'il sourit, parce que. Commissaire l'a branché là tout et vous étiez obligé de faire du sourire tout. Parce que non, mais. Mais et pas comprendre, nous pas comprendre la situation parce que, effectivement, je vais expliquer nous, hein, nous croyons que, et prisonniers ou qui prisonniers ou pas t'as supposé à vivre dans l'état, ça voit nous-mêmes, qui a service, nous-mêmes, qui l'a pour protéger et servir, et puis c'est la condition ça que nous vivons, aux conditions que moun bab vive, permettre que nous dit ça. Mais est-ce que commandant en chef. Est-ce que. Oui, en échange, chaque année, nous toujours changer l'uniforme policier. Oui, en échange. Si vous n'avez pas 1000 gouttes dans mon poche, vous avez un bot pour mettre un peu de travail. Vous avez un chèque qui n'a pas eu. Vous avez un travail avec le même bot année. Si vous n'avez pas eu. L'uniforme, vous avez un travail sur. Comment imaginez-vous? Ton pays, pour on est joint pour quitter le job là, pour voyager, pour voyager, pour quitter le pays. Et, bon, tout ça, que quitter le pays, ce n'est pas plus bon traitement pour jeune de yo. Mais si là, quand yo, yo pas traité comme moun, on peut comprendre ça qui oblige yo pour quitter le pays à chercher la vie de l'autre côté.
Parce que moi-même, tout dis ça, nous-mêmes qui portons des âmes, non. Nous avons des âmes pour nous servir, nous avons des âmes pour nous protéger et pour y traiter nous comme ça. Moi-même, je demande côté autorité supérieure, côté yoye, côté sénateur, côté député, côté magistrat. Exactement. Moi, je vais vous dire, C'est malheureux, frère. Ou comme tu as fait pour moi, même numéro de téléphone, ou moi, là. Oui, OK, mais soit ferme tout et même numéro sur Wemrilo là ou mettre voyer sur lui parce qu'il y a WhatsApp. Et m'a voyer ba autre, OK. En tout 23 01 93. Pas un problème. En tout cas, m'a Québec contact avec vous pour me connaître est-ce qu'il y a amélioration. Me souhaiter que souhaiter que autorité attende ça et moi-même pas oublier que moi, j'ai l'autre journaliste que nous allons faire et information passée. C'est malheureux. Dans le début d'année, pour ce qu'on s'en a vivre. Donc, en tout cas, Kembe, courage quand même. M'pas là pour mes dos, m'pas là pour mon bon accolade, pour servir soit by PIA. Moi-même, de yon PIA, m'fier de nous-mêmes. Kembe là. Et nous croyons que faut bah yon changer parce que faut qu'on révolutionne le PIA. Faut que ça change. Kembe la fin. D'accord. OK, bye bye. 0193, c'est ça. Merci en pile. D'accord. Bon, nous attendons un camarade depuis le pays d'Haïti, un policier qui tourne qui situation que la paix vive. On va mettre une petite musique juste pour mal jouer avec Eugénia qui fait que des là et parce que je vais vous aller l'avocat. Non, petit moment. Donc, prends patience, juste le moment pour me passer. Yon, petit musique, ça raide, ça très très raide pour le pays d'Haïti, dans la condition qu'il y a à vivre. N'ap venez. Merci en pitch. D'accord. Thank you.
You don't like religion, but you like this. You don't want kids, but you love this. I ain't never had the juice like this. Backstroke up in the blank, bangless, and I'm a real lover, go get him. See, you can't no run the city with you. Louis V. Shades, but you wouldn't just get hit the full of boys. N'a pas rappelé nous que la petite émission l'ouvrir la vigie sur Radio Télévision. Je l'avais excusé nous parce que nous étions tellement. Après nous finissons par parler avec l'officier, ça nous sentit nous tenter, j'ai bouillé. Mais nous supposons continuer l'émission. Nous allons déraper et nous allons prendre contact immédiatement ensemble avec l'avocat. Nous t'ai parlé, on a parlé de maître. Et Marcel, et nous allons jouer une cougne là. On tient musique et puis nous allons tenir nous. T'as le concert. La vie. Bon Dieu, qui fait soleil, qui fait les noix, fais tourner l'orage, fais tout ça, blondie, accès nous, Dieu blanc, sois pur, et mon Dieu noir, prévenez nous, j'étais, mon gars Dieu blanc, qui soit blanc de chez nous, les paroles, les pieds, qui parlent dans le cœur. Pour chaque jour, Allô? Oui, maître Denis. Un mot. Voilà, la plus. Fait mes musiques là parce que si vous nous entendez musique là et nous t'appelons pour notre opté nous déjà gagné ensemble avec nous maître Marcel P. Denis avocat qui dit même un gros dossier dans mail jour et jeudi hein. Nous pour faire un petit parler avec maître là et maître Denis comment nous y est voilà nous là comment nous y est merci d'être invité dans le show là comment nous y est nous très bien grâce à Dieu et nous souhaitons vous et la raison est j'ai eu qu'on dit bagaille là. Merci. Et tout à l'heure, nous étions dans l'introduction pendant que nous étions émission ensemble avec Madame Eugénia Charles. Et nous étions dans Madame Eugénia dit que c'est mon cafou, c'est mon cafou. Semblait son conspiration à faire à soi. Moi-même, c'est cafou, nous sortit tout. D'abord, c'est pas pour comme ici que nous sommes cafou, pas vrai? Oui. Commencer toute bagaille. Définitivement.
Définitivement. Je suis sorti dans l'année 93. Ah, ok. Moi, je suis sorti mon repos 42. Exactement. Presque en face. Presque en face. Presque en face. Et comment nous y est? Comment famille y est? Comment firme avocat y est? Comment tout le bagage? Tout en forme avec l'esprit ancêtre, Bon. Nous allons rentrer dans une phase très sérieuse. Alors, forme du que au grand pile en pile monde en pile radio surtout dans le pays Haïti qui a tendu dans le moment ça. Et on va regarder tout d'abord tadou certaines stations de radio d'ailleurs là-dedans c'était et on radio tout à l'heure là on t'a parlé avec un policier et qui dans une situation très triste et c'est dans radio Makaya. Et nous gagnons en pile radio dans Léogane captant de nous, radio dans zone Le Lampi captant de nous, dans Port-au-Prince, gagnons pile radio captant de nous dans le moment ça, qui toujours branché émission Louvre et la VG sur Radio Télé Louvre chaque samedi dans le sang. Et n'a pas dit ou comment que nous sentions contents, le nous tendait dossier $50 avec 5 centimes par minute appel entrant. Parce que nous t'ai toujours posé cette question, comment ça fait fait, et surtout dans le pays où les États-Unis, comment le fait accepter que des organisations et des et business a fait un bagaille comme ça, est-ce que légal, est-ce que pas légal, donc, ou même en tant que comme de loi, premièrement, est-ce que ça ou t'as fait, que c'est Unitransfer, que c'est Western Union, et est-ce que c'est normal que vous capable prendre vos taxes comme ça pour vous voyez bien un pays étranger? Alors, au milieu de son bien sûr, c'est ton taxe que l'il y a. Ok. Vous vendez comme un taxe, mais c'est ton taxe. Ok. Ok? Selon Jacques Malhonnête que vous faites dans le pays, hein? Michel Martelly, Castel, Charles Castel, Belleville, parce que l'autre résidentiel là, c'est Belleville avec Mabili qui signe. Ok? Donc, ça c'est pour 5 centimes. Ok? Mais, $50, c'est soit dans le circulaire que DRH Charles Castel est sous pied de circulaire actuellement. Une et 98 et une numéro 7. C'est à travers eux-mêmes que Western Union, SAM, avec une transfert, pour la 50 à 5. Par exemple, la loi qui dit qu'on s'est fait qu'on tasse qu'il a prélevé $50 pour le prendre. Et même si vous avez gagné la loi, ça, j'en peux dire, la loi, ça va être capable d'abriver une fois que nous jouons ici. Ça semble être extrêmement dangereux et j'en suis sûr que le gouvernement et américain a d'accord avec nous là-dessus. Si que vous quittez le mouvement, ça fait, c'est-à-dire que les citoyens ne vont pas à une protection de et gouvernement pour la caillou. Parce que si on y a arrêté la caillou, de déclarer mon chambre de papé, et ça fait poser un tarif sur le monde qui vit à l'étranger, bon, ça sont un précédent qui vraiment peut être chargé que nous avons signé là. Ouais. Donc, Negiofeli, pour qui raison Negiofeli? Parce que, gens que nous tous connaissons, nous appelons en Haïti, tout le monde dit, mon cher, j'en pourri, j'en pourri, j'en pourri, j'en pourri, j'en pourri, j'en pourri. C'est ça, c'est ça. Donc, je connais que nous-mêmes, je n'aime pas le terme diaspora, parce que nous, les Haïtiens, nous sommes des Africains dans la diaspora, et pas ça? Mais, pas de problème, comme ceux qui sont dans la diaspora, on a continué même terme ça. Ok. Mais, je connais que nous pas organisé, et je connais que nous pas gagné ça que je suis capable de dire, je ne vais pas avoir des expressions sur les ondes, mais je connais que en anglais, j'ai dit, bah bon, n'est-ce pas? Yo fait ça que yo a, yo connaît que nous-mêmes nous pas jamais dit rien et n'a pas accepté lui. Et c'est exactement ça que nous fait. Parce que l'heure où il fait mouvement, m'a dit un an plus tard, il va en entrevue, il fait comprendre que idées là sont des idées liées et que qu'on y a là, tout le monde a joui de lui, tout le monde voit l'importance que l'idée gagne. Ok? C'est ça que j'ai dit. Mais pendant que l'année que tu fais la gouverne, yo, en tant que garant de la bonne marche des institutions de l'État, c'est pas jamais un jour. Mes amis, mais combien de corps que nous ramassons?
Mais combien l'école que nous construisons, mais dans qui zone que nous construisons l'école d'ailleurs? Mais combien quoi qui dépensé? Mais combien qui était? Ok? Non, je vais faire mouvement ça. Ouais. Parce que, encore une fois, nous avons tradition là, car nous vivons combien tout au milieu. Nous-mêmes, les Haïtiens, nous vivons en contradiction avec tout ça qui nous-mêmes Haïtiens. Parce que le NAPLEV nous tend des curiosités pour ne pas mettre poule de maillot dans le soleil. Voilà. Donc, pour qui raison? Parce que pour ne pas jamais planter. Voilà. Attendez, mais Denis, est-ce que nous prenons le courrier rendre Matéli seulement responsable? Matéli seulement responsable. Le gouvernement haïtien est aussi responsable. Parce que, regardez, selon Enek Jean-Charles, qui est premier ministre, ou qui soit disant Yuna et cette pensante en Haïti, qui soit disant vous et Baron et monsieur son juriste, mais de toute façon, c'est monsieur qui écrit livre sous loi administrative Haïti, voilà. Donc, selon monsieur lui-même, Enek Jean-Charles, peut-être pas, pour gagner ministre intérieur là, ministre intérieur là, c'est lui-même qui t'a supposé à assurer que les droits vont respecter en dans pays d'Haïti. C'est ça. Donc, c'est là que toute la malhonnêteté qui fait sous soi-disant, et même Enek Jean-Charles, tout, dans le même livre qu'il y a que l'écrit, c'est tout le monde connaît que on est qui sont fonctionnaires. Il y a le fonctionnaire public, n'est-ce pas? Et la personne. Donc, je ne veux pas dire Romulus non fonction comme président et Romulus le président et Romulus et la personne. Ok? Il faut faire la différence. Donc, là que Romulus lui-même agit dans le cadre légal comme fonctionnaire d'État, ok? Quel que soit l'acte que l'il fait en fonction de fonction, ok, il y a une humilité pour lui, n'est-ce pas? Donc, le moment que l'il déplace de ses attributions, il décide d'agir contraire avec ça, il doit faire. Donc, on y a là, cette personne n'a pas agi, c'est pas fonctionnaire. C'est ça. Ouais. Donc, le mouvement, ça, c'est ce qui choisit là que nous avons perdu, je ne veux dire. Pour gagner, moi-même, personnellement, et quoi, toute ministre qui servit en bas et Matéli est coupable, toute ministre qui servit en bas, Jocelyn Privert, qui est coupable, c'est la deuxième ministre, sans ni Privert, ni toute l'autre ministre. C'est ça. Le premier ministre avec toute l'autre ministre. Et tout le monde qui servit en bas, Jocelyn Moïse. Alors, excusez-moi, M. Denis. Raison qui fait me te poser aux questions, est-ce que. Et seulement nous qu'a considéré ancien président Matéli et comme coupable, c'est parce que le Parlement, pour moi-même, est aussi coupable que Matéli, que Jocelyn Privert, que Jovenel Moïse. Le Parlement. Parce que Parlement, là, qui supposait, et d'après Constitution toujours, pour le capable de contrôler l'exécutif, une fois que le terrain bagaille illégal qu'on s'est passé, il n'est pas t'as supposé quitter le passé inaperçu. Combien de jours et comme je dis, gens que le pays d'Haïti est fonctionnaire, et en nous gardant les fesses, nous, réalistiquement parlant. Okay. D'accord? Ok. Le Parlement, c'est-à-dire que la Chambre basse et la haute chambre, n'est-ce pas? Les députés avec les sénateurs. C'est ça. Si je n'ai pas dit à nous appuyer dans tous les deux chambres, ça y est. Ok? Nous allons faire. Nous, juste prendre des cures, on tient examen. De base, ok? Préliminaire. On va être primaire. On va être primaire net. On va regarder combien d'heures qui sont capables de faire là, comprendre ça, et pour répondre à une question, j'en suis sûr que tu as vu presque plus que 90% là d'ailleurs, en passé. Eh bien, mais ça, Abdou, oui, mais Denis, il y a Abdou, yes, aya. Ok? Donc, nous, là, nous, avons la mission, côté que. C'est toujours l'exécutif là qui est mis avec pour qui choye. Parce que, pas oublier, chaque que nous avons fait structure politique dans le pays d'Haïti, c'est que nous avons cherché un tel de pont qui est en zone, qui compte pas en ouverture, qui compte pas en garantie, qui compte pas en problème dans la zone. C'est pour te dire, c'est mon taille pour éviter député, c'est mon taille pour éviter sénateur. Donc, une chose qui a, nous avons un petit problème parce que même mon taille pour éviter comme député sénateur, c'est eux-mêmes qui viennent choule. Et exécutif là. C'est ça, c'est et ça. Il faut le dire. Il faut le dire. Et puis, je ne veux dire à tout, vous venez de nous le petit choix, côté que l'article 163 Constitution, hein, qui déclarait que
il n'y a pas dit que le président est mineur, non. Je pense que les gens qui ont marché, là où les autres ont marché, ce n'est pas ça que je dis. Mm-hmm. Okay? Ça que je dis, je vais déclarer comme ça que si que ministre, premier ministre, premier ministre, a approuvé un acte que monsieur fait, donc je dis même qu'il y a là, il parle du président, pas responsable. Parce que ça que vous voulez faire un système de check and balance. Mm-hmm. C'est ça que vous avez établi. Ok? Donc, je ne veux pas dire ça pour vous. Ouais, les gars parlent, Matéli dit, mais ça que l'a fait, et puis tout le monde dit, j'approuve, et puis au fini, qu'on y a là, Matéli va dire, oh, moi-même, je ne suis pas coupable. Mm-hmm. Mais quand ce problème-là, quel problème qui gagne? Je ne fais ce que tu as là. Tout autant que vous agissez droit, pour que protection loi. C'est ça. Ok? Tout autant que vous agissez conçu ou illégalement, on va avoir une protection loi. Mm-hmm. C'est comme si je m'en suis dit, ça a son absurdité que lié. Moi-même, avec comme c'est président ou c'est premier ministre, moi, je vais au milieu de ce qui passé, nous allons casser le banque là. OK? Mm-hmm. D'accord, nous allons casser le banque là. Mm-hmm. Nous écrivons un papier, nous disons ça, OK, nous allons casser le banque. Ou signer, parler, me faire un papier de l'autre, nous allons casser le banque. Je vais dire, non, mon cher, le premier ministre a signé, donc moi-même, je ne vais pas avoir une coupable. Le système pénal, nous envoyons ça vers le gouvernement, c'est ça que nous relais, un co-conspirator, exactement. Un co-acteur. Mm-hmm. Donc, ça que nous commettons là, il porte la loi, même si quelque chose a santé, il y a pas de immunité pour lui. Donc, vous aussi coupable que l'autre là. Exactement. Donc, l'immunité n'a pas capable d'attacher. Et si que vous en avez un, selon Élection Charles, Élection Charles dit, mon chambre va se passer, on est qui court précipité pour y agir sans que le babin seul. Pour faire ça, tu peux te faire. On fonctionne à l'État qui va agir pour le salle, pour faire ça, pour le faire. Il courir, le précipiter. Et puis, ça, il faire au-dehors de cadre légal là. Donc, il est personnellement coupable. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Donc, mais pour faire ça, nous, pour aller, on n'est pas capable de dire que le Parlement coupable en face. On va retourner dans ça parce que, genre que Constitution, écrit à l'étimonge de passé, le Parlement, il doit introduire une loi, l'exécutif, il doit introduire une loi. Ok, chambre basse là, le courant du loi, chambre basse là, il y a des lois, il y a pour Véli, il voye le bail et chambre sénat. Chambre sénat, lui-même, il va regarder, si que là, il est d'accord avec toutes les attitudes, il n'y a pas de problème avec une loi dans l'eau, lui, approuvé, le voye le président, il est dans lui-même regarder, si le président lui-même n'a pas de problème avec lui, pour le voyer et à publier dans le moniteur, n'est-ce pas? Donc, le lecture, Parlement lui-même fait un sens. Parlement fait travail sale. Et Nèg Matéli introduit, chambre basse lui-même, l'a prouvé en 2012, je crois, bien 2013. OK? En 2012, je crois. OK? L'arrivée dans le Sénat, le Sénat a bloqué. OK? Il a bloqué lui, c'est pas à l'avance. OK? Dans ça que Matéli a introduit, je sais qu'il y a 5 ministères. N'est-ce pas? Je sais qu'il y a un ministère finance. Je sais qu'il y a un ministère d'éducation, affaires sociales, ok, et travail, il y a un haïtien vivant à l'étranger, okay. Et il y a une planification. Mm-hmm. Alors, ça que Jovenel lui-même vient promulguer en 2017, là, il y a retiré affaires sociales. Mm-hmm. Parce que, pas oublier, les affaires sociales là, c'est entré dans le problème. Okay? Le problème que les affaires sociales là, c'est entré là, c'est à cause de des kits scolaires. Ok, ok. En supérieur des comptes, en août 2018, a fait un jugement contre Woodville Bellevue, déclaré que monsieur, il est capable de perdre monsieur la justice pour voir que le père. C'est ça. Woodville lui-même paraît, il dit, oh non. Ça, monsieur, nous voulons que nous rochions mal l'abattoir pour contre moi. Non, ma chère, ça va passer comme ça. OK? Mm-hmm. Parce que nous, c'est nous tous, ministres, qui s'est décidé là-dessus. C'est ça que je dis. Ok. C'est nous tous qui sommes décidés là-dessus. Et nous chitons dans le conseil des ministres, nous tous décidés. Qui est-ce qui préside ce conseil des ministres? Le président. Mm-hmm. Et monsieur allait plus loin toujours, monsieur dit, administration précédente là. Ok. Administration précédente là lui-même. C'est même bagaille ça que le conseil. Mm-hmm. C'est-à-dire que administration matérielle. Ok. Ouais. Donc, l'enquête là, c'est peut-être ça que nous dit, toute ministre indistinctement supposée impliquer dans le dossier ça. OK. OK. Dans l'aide que nous dévoyons par Yoa, pour bientôt, dans l'aide que nous dévoyons par Yoa, nous dévoyons par Yoa, presque nous nommons tout ministre.
Est-ce qu'on a dit pour auditeur qui date et puis est-ce qu'on jeune accusé de réception et dans le détail? Bon, nous jeune accusé de réception. On est dans pile là dans yo que nous pas jeune adresse. On pile là dans yo va y aller par la. OK. Ça sont le désordre. OK. OK. On va pas bien serviteur et peuple là. Et puis on va pas grand monde qui connaît côté pour jeune yo. Alors est-ce que maître Denis, est-ce qu'on va parler nous deux actuel ministre ou pas jeune adresse yo actuel yo? Actuellement, on a ministère, le ministère. Mais en sérieux, on va faire un jeu. Ouais, en sérieux, on va faire un jeu. Juste l'imprimé et ici, à la commission des potiens, on va faire un jeu. Qu'est-ce qu'on peut accepter le projet? Charge. Ok, exactement. Ouais. Est-ce que nous jouons l'autre moyen pour que nous déposer pièce là pour vous? Est-ce que nous avons une façon en Haïti, même si vous n'avez pas une adresse physique, nous n'avons pas l'autre moyen pour vous? Bon, pour le moment, nous apprécions les forces conjointes pour que nous ne passions pas le monde en connaît que nous sommes pays dans des autres. Mm-hmm. Mais je ne veux jamais ça que nous avons fait. Et nous devons poser une convocation. Une convocation pour dire que nous allons chimer et adresse pour nous parce que c'est honteux. Oui. Et Michel Joseph Matéli, c'est Guyville. Ok. Pour Prince-Haïti. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Hein? Ça va un petit gentil gênant. Yeah, ouais. Yeah, yeah. Donc, et tout l'aime privé pour Prince-Haïti. Mouel tout. Donc, exactement. Donc, mm-hmm. Là, pour ça, nous obligés, vous n'y a là, bon, et nous obligés. Mettez ça à yo dans la convocation au tribunal là, dit ok, monsieur, nous mettons pour il là yo. Et c'est qui ça à l'accusation en lui-même? Bon, combien de vous? Et pour le moment, ça fait le pour il là yo précédemment, c'était on laisse et mise en demeure. C'est comme ça que nous aider en place, n'est-ce pas? Ok. Et mise en demeure, côté que nous disons que monsieur, mais faction que nous fait, mais justice que nous fait, hein? Donc, et préjudice que nous souffrons de l'IA, okay. Mais ça fait pour nous pour dédommager. Ok. Ça, c'est en bas, ça que nous aider de votre statut et Floride. Ok. Et il y a tant d'autres États aux États-Unis et tout qui demandaient avant que vous assigniez un nègre là en bas, si votre statut là, pour balle, mon avis, pour essayer que lui-même est capable de se faire la bouche du pour qu'il en nous négocier, en nous pas faire sa tête pour vous. Okay. Donc maintenant là, est-ce que ça que nous baille là, est-ce que son bail fédéral c'est non, on y a là, c'est un peu on y a là le 24 décembre, nous déposer plainte là dans Eastern District of the Federal Court, OK? Brooklyn, New York. Dans Brooklyn, New York, exactement. Nous déposer plainte là pour nous-mêmes. OK. Ouais. OK. Donc, nous gagnons pour nous légaliser et signature greffier à la consulat à New York là, pour Haïti. Et puis de là, il s'en fout là pour nous courir par un cabinet qui travaille de concert avec nous en Haïti. Il y a là pour nous signifier et cette partie qui est impliquée dans le dossier. Maintenant, est-ce que consulat à New York là, n'a pas fait un bac? Est-ce que le consulat New York, là, pas d'accord, joue une adresse yo et ancien ministre? Bon, S'il vous plaît! Le courant a fait. Attendez. C'est que, il y a une bagarre qui est supposée faire. Dans un pays normal, je ne veux pas nous comporter la fête. Tout le Sénat, c'est pour ici, tout le défi de tout le courage. Ok, même le fait en fonction, on a fait une hypothèque. C'est ça. Hypothèque pour nous voyer le document bail. Mm-hmm. Ouais, et on a côté des documents Bayoua, marché dans toute voiture TEA, ça, mon nom, voiture, fait vous comprendre, c'est que, bon, et monsieur, ça va travailler ici encore, non? Oh. Parce que vous avez un ADSI, mais si nous avons un ADSI, pas de rien qu'à faire pour vous, non seulement nous allons recevoir les clés pour vous, mais nous allons avoir un ADSI pour que vous veniez en plus. M'bral d'un bagay tout. Tout ancien président Sayo, il continue à toucher. Il continue à toucher. Donc, je pense que la banque, mais supposons que tu as fait un dépôt direct, ça veut dire direct deposit pour yo. Et je crois que si c'est sous compte, il faut qu'on ait adresse. Ça va passer là. Bon. Pourquoi
Jean mouvement hier hein, et bon et la fois difficile c'est que et c'est que nous n'avons jamais publié l'adresse la fois difficile pour nous mêmes et sans que nous pas obligés de passer et alors avec et nous dépensons de l'argent avec un investigateur la pièce ça veut nous besoin exactement c'est sûr mais on le sait qui organise premièrement il y a un autre gros problème que nous avons, c'est que Haïti n'a pas fait partie de la convention sous convocation. Okay? Et c'est-à-dire que Genève, bon convention Genève qui permet que bon un côté central pour capable parler si on peut être plainte contre l'État au pays. Okay. On est pile pays qui fait partie de la convention, ça. Okay. C'est Haïti. Okay. Ouais? Okay. C'est Haïti. Donc le fait que Haïti n'a pas fait partie de la convention, ça. Et nous obligés, je vous dis à nous obliger à sommer Haïti basé sur loi et procédure civile noire, ok? Procédure civile fédérale là, ok? Section 4F là. Qui ça lié? Qui ça lié dit? Sommer, dit que nous capables de sommer les gens de la même manière, nous capables de sommer les gens de la même manière que de signifier la CAI. Ok. Ouais? Alors, il y a l'autre étape. Que ça arrive, mais pour nous, nous connaissons ça, qui préfère que nous franchissions l'étape, ça, côté nous avons l'obligé à demander département d'État et permission pour nous capables de signer un EGIO. Donc, c'est un petit choix qui fait que nous avons une éternité. Mais la bonne chose, c'est que l'EGIO viole les lois nouvelles, ça nous va pas obligé à passer sur l'étape, ça. Donc, non seulement ça, tout, nous avons Western Union, nous avons Money et une transfert. Nous avons CAM, exactement. Qui s'est compagnie Moïse là. Donc ça, c'est nous va obliger parce que tout les autres choix qu'on a demandé département d'État permission de bailler nous assigner. Pour information auditeur nous au capitaine de et maître Denis et qui loi a violé. Bon, n'est-ce pas violé ça que nous relé chemin ça que nous relé chemin ac là. Chemin ac quoi ici pas que n'est-ce pas et il a amendé il est passé en 1890. Ça, c'est une époque et côté que on sait de gros compagnies qui décidé en cette chose, ils prennent et c'est toutes les compagnies en bio, ils prennent mettre une sorte de des fado sur ça que les commerces là. Ok, juste pour être capable de créer un groupe de York pour pas bien entrer dans une série d'industries. Donc, en basé sur ça, un sénateur qui est sorti au Ohio, qui est John Sherman. J'ai décidé que, et aussi, monsieur son expert que je disais, l'en contrôler, ça fait les commerces et aux États-Unis. Donc, monsieur fini avec et loi ça, avec trois autres collègues, ils viennent avec loi ça, ils ont dit, moi, je suis en train de passer, quel que soit compagnie, ou bien monde qui décide, puis entrer en conflit, puis bloquer et vous mettez pas d'eau et sur commerce, monde ça coupable, et mais ça que les pénalités que monde a est possible. Ok. Ok. Donc, en coup de tasse là, c'est à travers de lui-même, pour y aller, mais je vous dis que vous pas capable d'entrer, moi-même avec vous, si que nous sommes commerçants, nous ne pas capable d'entrer dans la logique, et que c'est pas nous, c'est pas une embarrassée, mais nous pas capable d'entrer dans la logique, côté que pour nous dire, mon cher, la vente Canarissa, c'est 50 gouttes pour nous vendre Canarissa. Le moment que moi-même avec vous, c'est nous-mêmes qui sommes fabricants et Canaris, le moment que nous entrons dans l'accord, ça, nous entrons dans l'accord pour nous fixer le prix, et qu'on a dit avant, qui violait la loi pays noir. Ok. Ok? C'est-à-dire. Donc, l'un est décidé en eux-mêmes, pour y mettre un dollar 50 en plus, et puis on décide en eux-mêmes, pour y mettre 100 centimes en plus, ça, c'est ça que vous venez de price fixing. Ok? Ok. Le price fixing, c'est ça que vous venez de violer, en plus, tout, vous venez ça que nous venez de the Foreign Trade Antitrust Improvement Act. Okay. Que n'est-ce que vous voulez. Ça, lui-même, le Foreign Trade Improvement Act, là, lui-même, c'est lui-même qui permet que nous capables de prendre compagnie qui décide de monter en conflit avec une autre nation pour contrôler le prix, produit ou bien service aux États-Unis. Donc, complice. Okay? En plus, donc, vous voulez ça, et puis, quand il y a nous allons déjà plus loin. Et n'est-ce que vous voulez, vous avez une convention internationale. Okay. C'est-à-dire des conventions sur le droit du monde. Des conventions sous droit économique, social et culturel qui mandaient pour les au-delà de l'article 32 de la Constitution, non, les conventions
ça a eu même tout le monde exiger les états haïtiens de pas une école gratuite. Donc on est violé selon constitution, selon loi nouveau ici là aux États-Unis, nous capables d'aller négio mener au devant tribunal pour ici là basé sur ça que nous voulons the Alien Tort Act. Il est clair que quel que soit un monde qui violé les conventions internationales où il doit traduire la justice pour ici aux États-Unis, mais avec une seule condition. Cour de cassation nous envoie ici là dit mais oh, et ça c'est malhonnête ça que nous avons fait de l'autre pays États-Unis, il faut que nous affecter nous-mêmes pour ici là avec toi. Ok. Ouais. Donc les gens qui sont ici là, ils ont touché dans la 50 par la même. Western Union a vu qu'il m'a un acheté, il a fait ça, il s'est comprendre que, et ne pas policier nous la 50 par la même des États-Unis, non. Et comme on connaît, en Haïti, et c'est que la grande force de loi, donc on policier là-bas Haïti. Parce que l'agence n'a pas de choix que pour policier là-bas Haïti. Non, monsieur Western Union, ce n'est pas le cas. Ok, non seulement collectif pour ici là, et en bas Haïti, on sait que les gens qui sortent de BRH pas capable de faire force de loi. Maintenant, est-ce que Zach ça, alors je ne sais pas si on a oublié de poser une question, ça, est-ce que c'est notre tribunal, nous avons dit, est-ce que c'est un criminel lié ou bien c'est nous porter une partie civile et pour un criminel? Bon, oui, c'est criminel. Ok. C'est criminel. Okay. Et bon, et c'est deux petits choses. Jean que Atla yéa, Atla permet que procureur là, ou bien ça ne t'a pas les commissaires là, n'est-ce pas? Ok. Et ces commissaires du gouvernement, qui t'a su pour qui t'es droit, Atla permet commissaire du gouvernement pour lui porter une action contre la justice. Ok? Ça, c'est malhonnête qui fait. Mais Atla tout permet nous-mêmes tout, et la capacité de PS et citoyens, nous, comme des civils, pour te plaindre contre nous, YouTube, parce que c'est aider la société et commissaire là combattre ça malhonnête ça. Parce que le commissaire là lui-même, il ne doit pas avoir suffisamment de ressources, il ne doit pas avoir suffisamment de temps, ok? Donc c'est sur ça que nous sommes basés. Ouais. Est-ce que nous avons considéré ça tout comme la corruption que vous portez tout? Non, mais, son corruption liée. Ok. Son corruption liée. Parce que, attendez, Matéli lui-même peut-être parle d'y admettre que, il n'est pas bien pensé ces mouvements. Ok? C'est un problème. Son problème est énorme. On est que vous mettez comme galant et bonne marche d'institution dans ton pays. Et puis, on a plus d'une douce, on sait que j'ai pas pensé à j'en ai supposé penser parce qu'on n'a pas d'espoir qui entre dans le mouvement. Non, si qu'on peut penser avec lui préalablement, c'est parce que vous-même, vous êtes entré dans la logique, vous êtes côté vrai, ok, vous faites ça malhonnête tout, et vous finissez avec ça. Et si vous regardez, si vous croyez que, et mon grand livre, on associé nous publié, oui, là, et monsieur, quoi, monsieur son journaliste, la nouvelliste, vous êtes que monsieur montré que, bon, groupe, monde qui finit, vin toucher l'argent, ok, sous prétexte que c'est directeur d'école lui est, tandis que nous ne savons pas jamais gagner l'école renouvelée. Je prends gagner l'argent, je prends mettre dans la prison pour 2-3 jours, et puis ils disparaissent, pas jamais gagner monde. Qui prend prison, pas jamais gagner monde, je mène la justice, pas jamais gagner monde, je condamne ça. Ok. Maintenant, Denis, est-ce qu'on connaît entre 2011, les Matéli devine avec causé ça, pour arriver 2018, bon, donc à 2019, je dis à déjà 5 janvier 2019, et $50 a continué à ramasser, et 5 centimes par minute en train de continuer à ramasser. Est-ce qu'on connaît combien de copes n'a ramassé déjà? Bon, nous n'avons pas idée combien de copes n'a ramassé. La seule chose que nous connaissons vraiment, c'est que Laurent Lamothe, by Miami Herald, un journal qui est dans le sud Floride, il parle en entrevue côté que un an plus tard, 2012, Laurent Lamothe déclarait que il a besoin d'amasser entre 40 à 50 millions de dollars et qu'il a besoin 50 millions de dollars de plus pour faire arriver 100 millions de dollars pour avoir un système d'éducation correct. Correct. Donc, si que dans un an plus tard, on a ramassé 40 à 50, parce que vous connaissez,
Et moun ki pa pase le doigt pa jam ka pou chiffre. Donc, il faut en 40-50 et en Haïti, on a ici en même Haïti en lève de 40-50 ou ka multiplier par doigt. OK? Peut-être pas 10 même. Donc, et je ne veux pas dire, 7 ans plus tard, on va avoir une dîme que c'est 120 millions de dollars seulement qui collectent. OK? C'est ça que DRH t'a remis fait nous comprendre. OK? Et dans le moment que y'a dit que yo ramasser cobla pour l'école Timon, yo ramasser le cobla pour payer professeur, yo ramasser cobla pour capable bâtir l'école. Combien l'école qui bâti? Professeur a fait grève dans le pays d'Haïti. Timon a pris la rue parce que yo pas gen professeur. Gagne pran gaz lacrymogène. Gagné qui mourit même dans le policier qui a fait altercation ensemble avec eux dans la rue. Alors que Timoun t'a supposé gagner éducation gratis dans le pays. Donc, dans tout bagay sa yo, est-ce que nous rentrons tout bagay sa yo, victime sa yo, victime, Timoun sa yo qui victime sa yo, que c'est victime physique, victime psychologique, victime mentale, et que plus Timoun jounen jodi a qui gagne dans la rue Port-au-Prince qui pas à l'école. Donc, est-ce que nous prenons tout bas ça en considération pour nous porter dans le dossier ça? Mais ça qui me passe, et au milieu, dans le mouvement ça, il y a un petit choix que le tribunal va ici là pour balancer là-dedans. OK? Il y a un petit choix ça ici qui est dans le pays d'Haïti qui vous fait le peut-être pas. OK? J'en ai dit au monté dossier, yo a, yo on est très bien, c'est ça que yo t'as fait. Parce que, en bas, et côté civil, là, bon bagage, il est écrasé comme ça. OK? C'est même si c'est ça que, bon, ici, là, nous, il est quasi-contract. OK? C'est un contrat qui n'est pas à l'écrit, OK? Mais qui est allé pour bénéficier au monde et basé sur ça que on est dit oralement. OK? Mais tout connaît que, Matéli déclarait que $50 c'est taxe liée pour être capable de créer l'école. Là que je paye Matéli $50 moyen, je dis Matéli, pas de problème, mais $50 moyen. Et comme monsieur lui-même, il promulgue à travers les ondes, et que c'est pour faire l'école, monde qui est supposé bénéficier là, je ne juste dis pas qu'on a intérêt de ces gens que nous sommes capables de dire la langue anglaise noire, that person is vested. La personne est vestée parce que on est que bon l'école gratuite chez Capitaine à l'aide de $50 tout compatriote payé pour lui pour capable à l'école. Donc en bas côté civil là ça vient faire un cas de contrat que montrer avec Matéli pour bénéfice de tiers. Donc je ne veux dire si monsieur pas baille là l'école gratuite là il viole le contrat. C'est ça. Donc c'est le petit qui choisit. Même là que nous apprenons la considération, ça a eu lui-même ces bagages que nous allons montrer, ce qui est là que les nègres n'ont pas connu avec l'argent, pas de l'école vraiment. Vous voyez, nous sommes sous le bloc du Chita, ok? Il y a un paquet de côté qui brouillait, ça que nous disons l'école, ça passe au l'élevé. Et puis, je venais lui-même d'une boy ici là, et par contre, et c'est quoi, c'est Utina qui était passé, mais c'est ça qui dit que Diaspora Pamaka, combien de gens? Oui, Diaspora Pamaka. Ok, Diaspora Pamaka, mais Jovenel lui-même qui dit une voix là, en octobre, je crois, il prend nous pour Maca, il déclare comme ça que, comme $50 noirs, c'est l'entête qui fait nous avec 10 seuls nous, que l'aller, il va l'approche monde, et que il va dire qu'il fait l'école, et que il mettait 750 000 du monde l'école. Ok? Et Jovenel là, en lui-même, c'est pourtant que, il s'est galant, comme galant, et de la bonne masse. Des institutions. Les vinyles font comprendre que le pas, même qu'on a rien, c'est pour montrer ce qui niveau ça fonctionne et que nous sommes dans le monde là. Ok, pour le chef d'État fini dans l'autre pays, pour le déclarer dans la télévision, que même si qu'on a rien de bagaille d'école ça, de fond comme ça, d'avant le film là, il est obligé de les ministres d'éducation, pour les ministres d'éducation dans la ville, ou bagaille. Et pour qui ça continue à prendre? À quel monde qui connaît. Maintenant, Maître Denis, est-ce que liste plainte, est-ce que l'île ouverte toujours, est-ce que moun a toujours porté plainte, et surtout, bon, connaissez Orlando Mier? Tout le monde plaint, indistinctement. Tout le monde plaint indistinctement. C'est bien
une raison qui fait que c'est ça que nous voulons action politique. Ouais, et pas que le concept ça existe en Haïti pour le moment. Est-ce que ouais. Ça aurait une classe sous plan lié? That's correct. Okay. That's the class action. Okay. Donc, tout le monde qui les a impliqué dans le dossier. Donc, ça que vous êtes capable de faire, okay. Ça va aller sur le site alfamgroup.org, alfam, A-L-C-A-M, group, G-R-O-U-T, point, O-R-G, et puis vous êtes capable de mettre le nom. Ok. Ok. Bon, me répéter encore pour l'auditeur. N'importe monde que ça intéressé pour participer dans et dossier ça côté que et il y a mené la justice et ancien président et Joseph Michel ou bien Michel Joseph Martelly Jocelyn Privert ensemble avec et Jovenel Moïse et également toute ministre il y a mené tout devant la justice et Natcom Digicel et nous gagne tout CAM Unitransfer Western Union et l'atelier yo capable aller sur site ça sur internet Alcam Group c'est A L C A M G R O U P .org c'est pas .com non .org Alcam Group .org et si nous t'oublier pas aucun problème si nous checker radio télé Louis j'ai pas beau ici m'a banouli. Et pour que et moi-même ça me gal faire tout et me tout doux ça mettre Denis me gal permettre que même sans vous et bon moi là gagne des centaines de monde sur WhatsApp etc me gal gaille de quoi pour monde capable et participer là-dedans parce que moi que son voiture pour faire en tant que avocat en tant que haïtien nous vraiment senti nous fiers de vous-même et avec équipe vous et tout monde qui avocat dans pays d'Haïti tout. Et nous comptons ça à faire parce que nous connaissons les trop et nous des fois et à l'étroit nous agissons imbécile trop et nous agissons te dire en bonne ennemi trop donc c'est ça qui fait d'un pourri tout à craser nous je ne vous dis pas bon bonne n'est pas même jaune encore bonne c'est pourri le pourri donc ça veut dire que d'un pourri a tué nous net donc nous quelques jours je vous dis à l'important pour nous dire auditeurs pour aller sur Alcam Group alcamgroup.org pour que yo rentre dans question ça et moi même pas de carton pour me détendre ça parce que moi même moi victime grand pile monde qui victime de l'argent ça qui a ramassé depuis 2011 et gèlba k ap vinn toujours mais ça son première et me vraiment content du fait que ou même ou en tête dans bagaille ça pour que journée jodi a et malfoin ding yo Jean Aurélie yo voler ça yo escamoter ça yo et moun sa yo kapé ramasser piller et couper poche peuple haïtien et faire ça qui pour vinn pi pauvre toujours moi faut nous bailler une leçon journée jodi a c'est ça oui. C'est ça et maître Marcel Denis nous connaissons le bail encore on a fait une transition rapide même si c'est 2-3 minutes nous prend la donne pour transition rapide nous connaissons que et lundi là à peine même tribunal ça va parler à bon l'autre cause qui va le faire qui ça lié même bon il a parlé de yes là OK temporary protected status ouais il a parlé de yes là c'est gens que yo bon n'a souhaité vraiment vrai que le monde qui a défendu mouvement ça vraiment bien et j'aime ce dossier-là parce que c'est ça que m'a dit, c'est une question de discrimination. Ouais. C'est une question de discrimination que vous faites contre nous-mêmes haïtiens pour annuler les fiches et bénéfices que vous avez dans nous. Mais le gouvernement, ça a lui-même. Nous souhaitons que nous avons un juge qui s'est pas vraiment sympathisé avec nous. Okay. Parce que la loi qui permet et Trump ou bien quelque soit président. Par exemple, temporary protected status, ça, déclarer que quelque chose à côté qui gagne un désastre naturel ou qui gagne la guerre, qui disturbe l'ensemble, qui est, comment on est capable de dire ça à ce moment-là, qui frappé par un désastre naturel, qui est affecté. Un désastre naturel qui est affecté la vie et citoyen. Citoyen,
Donc, tu es capable de permettre de séjourner la caille aux États-Unis pour un temps bien défini. Et le temps ça a fini, si que conditions sont retournées à la normale. À la normale, donc il faut que même retourner la caille. Donc, si que je ne choisis pas, juge l'appareil. Parce que ça, c'est un bagage de concert avec le gouvernement haïtien. Si on voit le gouvernement haïtien, comment la situation est en bas pays d'Haïti? Le gouvernement haïtien, il y a tout bagage en forme. Et nous rétablir l'ordre dans le pays, que ce soit un respecté de tête. Donc, le jugement, ici, n'a pas bien choix que pour le dire, mon cher, pour interpréter, condition qui existe, il faut qu'on résume de la caille avant 8 ans, pas existant encore pour retourner la caille. Donc, mon seul petit choix, on a souhaité que le juge s'agit de Mdoula et l'église occupée devant le juge, pour montrer un argument que c'est pas tout le bien de l'autre côté que la caille est stabilisée et tout. Il n'y a pas à l'évoquer. Et privilèges à Abouyo, ils ont révoqué par Haïtien parce que Haïtien noir. On acte discriminatoire. Exactement, son acte discriminatoire que lié. Donc, basé sur ça, nous demandons pour vraiment restaurer privilèges à eux que les administrations pour ça révoquer pour Haïtien. Et d'après ça, moi, apprendre, sembler et avocat en tête là, ça, les lead attorney, c'est Ara Kirksven. Et il dit, monsieur, son expert lié dans les affaires immigration, et monsieur, j'ai un peu l'expérience. Et sans doute. Et pas même d'exact qui représente Haïti. Pourquoi ça, oui, d'après ça, m'entendez. Ok. Bon, mais Denis va faire ça. Non, pas faire ça. En tout cas, nous étions là, d'abri seulement, nous ne pas dire encore. Mais Denis, moi bien content de parler avec vous à soi. Et ma kembo là, oui, ma kembo sous code. Et parce que faut auditeur, auditrice, radio, télévision, toute notre radio qui branche, yo connaît ça qui a passé, comment et situation a yé. Et avant que moi laisse ou aller, et qui espoir? Qui espoir nous gagner pour que nous t'a arrivé gagner pour ça? Bon, et bien que l'espoir. Ouais, bien que l'espoir, et comme on connaît que pas capable définitivement. Et que n'a pas porté la victoire, mais il y a espoir. Ouais, on est capable de dire que l'espoir là, plus que 80%. Ok. Est-ce que l'ordre dit plus que 80%, est-ce qu'on est dans le tribunal ça, ou bien est-ce qu'on pense qu'on est dans l'autre tribunal au cas où nous ne sommes pas sortis satisfaits, ou bien parti qui en face nous, hein, parti accusé, pas t'as sorti satisfait? Quoi que le tribunal ça et dans tout l'autre tribunal qui vient. Ok. C'est là que nous avons peut-être sur les deux étapes qu'on nous a franchi. Et nous-mêmes, nous parlons pour nous franchir pour les deux étapes pour arriver jusqu'à la cour de cassation. Ouais. Parce que, encore une fois, si que nous en Haïti, nous avons une protection de la justice. Et puis pour nous, nous avons une protection de la justice. Ça t'arrête. On commence à questionner cette nous non moins. Ça t'arrête. En tout cas, j'ouvre les 10 bagages là. Et vieux moment, pareil pour Zépina. Zepi n'a pas eu vieux maman. C'est ça. Donc, nous parlons. Donc, en tout cas, nous avons quitté où, sous Kabano, dernier mot pour Aswa, qui s'altaye, et maître Marcel Denis, bien que Nabdou, c'était un plaisir pour nous t'étendre à Aswa, un haïtien éloquent, un haïtien chargé et de capacité, un haïtien qui sortit dans le pays d'Haïti, qui vient pas boire ici, et qui a pleuvé tête pour haïtien. Donc, c'est un plaisir pour nous t'étendre à Aswa, maître Marcel. Et Denis. Dernier mot qui s'altaille pour Aswa. Maître Romulus, courage. C'est ça seulement que tu es capable de dire. Parce que je ne veux pas dire à nous qui vont dernier côté. Nous croyons que c'est parce que nous avons toujours pensé que bon bagage qui a sauté de l'autre côté pour venir retirer nous dans ça que nous gérons. Nous croyons que je ne veux pas dire à nous qui sont ici pour prendre conscience que nous avons que nous avons un bateau. Et les ancêtres nous ont dit ça. Nous avons un bateau. Bateau A, nous prenons de l'eau. Si que nous quittons le couler, nous tout taper. Donc, je ne veux dire, bataille pour Haïti mieux, bataille pour bon Haïti, pour mieux Haïti demain, c'est pour tout Haïtien que dit. On nous mettait maintenant la patte là, on nous fait ça, nous fait. Pour petit pour nous, capable de souffrir, pour capable de vivre comme citoyen,
même gens tout comme citoyen dans notre pays. Merci un pile, Maître Marcel Denis. Nous souhaitons qu'on passe une très bonne nuit, un très bon week-end à toute famille. Kembela. Merci. Donc, depuis Pays pas bon ici, nous attendons Maître Marcel P. Denis qui t'a expliqué nous comment la situation est. C'est lui-même qui en tête Yon Santégal et les pas bon ici ont l'osout. Et qui a signé en pile nèg dans pays d'Haïti qui a prend ça nous te ka dit pour grand merci et $50 sous chaque transfert n'a tout ti moun yo $50 yo prend c'est pas pour soit aller dans cam dans une transfert dans Western Union ou fait 20 transferts. C'est 20 fois $50 yo prend. Il pas seul grain $50 yo pour faire transfert non. Par exemple, il y a des semblants de sort passé là, nous connons pile monde qui voit ticop pour zanmi yo, pour parents yo, pour frères yo, sœurs yo, petit yo dans pays d'Haïti. Chaque transfert que nous fait yo prend $50. Il y a des monde connait qu'on a fait transfert pour $20. Yo prend $50 sous 20 avec $20 transfert, yo prend $50 sous lui. Souvent, vous avez $10, vous prenez $1.50, oui, plus frais transfert à vous payer. Oui. En nous disant que frais transfert à $4.99, presque $5, vous prenez $1.50 mètres sous lit. Hein? Faut $6.50 ou bien $6.49. Ok? $6.49 pour $10 seulement à vous. Oui. Et si vous voyez, j'en ai dit, pour 50 moun, vous prenez 50 fois $50, oui, ça vous fait comme là. Vous te dit, c'est pour l'école. J'en ai dit là, en pile l'école et en pile tout le monde parle l'école. En pile professeur, surtout professeur l'État, vous pas à le faire coup, parce que vous pas payé. Vous n'avez pas rien à faire manifestation. Vous rete la caillou. Et vous avez fait. Et contrat que soi-disant l'État fait avec et des écoles, soit privées ou bien des écoles qui existent sous nom, ils existent sous nom, ils n'ont pas la vraie, ils n'ont pas existé tout bon. Donc, on dalgagote son gaspillage d'argent. Il y a monde qui même dit que Matéli prend une quantité dans comme ça, hein, règle à faire la moto. Donc ça veut dire qu'on bon gaspillage qu'a fait alors nous même dans la diaspora qu'a travaillé dur qui remet pays nous qui t'a remet système éducatif lentif avancé amélioré nous fait des sacrifices pour nous payer comme ça, hein. Et yo gagné des côtés bien déterminés d'après ça. Maître Marcel Denis fait nous connaître des zones ou bien des pays bien déterminés que yo prend comme ça. Gagné côté ou pas prendre. Bon, j'ai oublié demander maintenant est-ce qu'en France yo prend, mais ça va me connaître Canada yo prend. États-Unis c'est pire. Même la Saint-Domingue qui tout prêt là, yo prend $50. Mais son crime. Et me content ça qu'a fait là. Moi content moi-même en tant que observateur, moi-même en tant que monde qui contente, monde qui a plein sous ça, moi content ça que fait là. Maintenant du grand pile auditeur qui t'a pris dit tout à l'heure, l'heure nous déjà arrivé parce que c'est à 11h on est supposé camper. Mais il est déjà 11h06, si gagne monde qui veut reler, même pays d'Haïti qui a reler nous dans moment ça, si on pays d'Haïti veut reler nous, c'est un appel local là pied pour Haïti. Il y a pas besoin pensez que vous pouvez dépenser quoi, puis après, il y a 44-37-65-87, si vous en avez établi, il est dans quelques minutes. Et vous pas beau ici, vous avez deux numéros au carré, 407-255-66-42, et au carré, il est tout. 8-63-6-77-48-57, dans quelques minutes seulement, si vous avez opiné sur ça qui s'est passé sur l'interview qui s'est fait entre-temps,
n'a pas sorti musique qui dit diaspora pas mal. Pendant qu'on est que l'on travaille dit pour faire money. Diaspora pas ma cagzami. Il va pas compléter pour gaspiller. Pendant qu'on est que l'on prend pour faire money. Don't do it. Rappelez-nous numéro encore, c'est 407-255-66-42-8-63-6-77-48-57. Ou bien, ou même qui est Haïti, où tu as voulu participer, c'est 44-37-65-87. 44-37-65-87. Diaspora Pamakak. Donc, Diaspora Pamakak. Donc, pas faire ça, pas faire ça. Diaspora Pamakak, chérie. Pas fait ça, non, pas fait ça, parce que diaspora travaille dur. Travaille dur. Mais au moment où on a parlé avec la gampile qui nous fait dire, là, qui a frappé nos fruits dire, donc on n'a pas l'argent. Et diaspora comme ça. Et Sweet Mickey, et Michel Martelly, on n'a pas fait ça. Jocelyne Priver, non, on n'a pas de fait ça. Et Jovenel Moïse, c'est pas sérieux. Et nous-mêmes qui, toutes ministres, et CAM transfert, Unitransfer, et ou même dans Western Union, non, il n'est pas possible pour nous prendre un cobla comme ça, un cobla que nous prenons, nous fourrons dans la poche, nous, et il passe vie, peut pas ici, vraiment. Et nous même, CAP fait même bagaille là dans minute, c'est comme pour chaque minute entrant, chaque minute, mon relais, c'est 5 cobla. Que Digicel apprend sous nous, Natcom apprend sous nous, et l'autre côté, donc nous croyons que définitivement, ce n'est pas normal. Bon, et nous remarquons que, vous parlez, et mon petit ami, vous avez pile d'après nous pendant la fin émission, mais qu'on y a, vous parlez, vous m'aimez. Donc, nous pouvons permettre que nous-mêmes nous jeter l'autre, donc, pas oublier encore, et demain lundi, hein, et dans New York, c'est dans Cadman Plaza et dans Brooklyn, New York, qui a gagné un gros causé côté que haïtien yo, ça qui gagne TPS yo, alors que TPS là, administration Trump là, li dit que à partir de juillet 2019, juillet année ça, yo pas bay haïtien encore, c'est ça qui fait que haïtien yo relé et administration Trump là devant tribunal, c'est dans New York que la fête dans Brooklyn, dans Federal Court dans Cadman Plaza, et à 9h, nous tout fait nous connaît à 9h dans matin, après il y a une conférence de presse, d'après ça que Kim et de Haïti Liberté fait nous connaît, Kim Ives de Haïti Liberté, et qui était supposé avec nous à ce moment-là, mais et il était priorité à maître Marcel Denis, et sous ça, nous t'a parlé là. Mais
nous connaissons que gagné un groupe haïtien et ensemble avec Haïti Liberté gagné une femme haïtienne à Miami qui gagne là de Marlène Bastien qui au même relé et administration Trump là dans tribunal pour acte discrimination. Donc c'est ça qui fait que n'a fait nous connaît que n'a pas là et lundi si Dieu veut lundi matin n'a pas ensemble avec Radio Télé Shalom et capé et bah information comment ça y est et dans conférence de presse capé gagné juste avant que vous entrez dans le tribunal là et nous encourager tout haïtien la ronde bade ko New York ko New Jersey Connecticut Pennsylvanie et Massachusetts Rhode Island quel que soit côté il y a ou capable aller al bay mouvement ça j'arrête al réunir autant de haïtiens que nous capable parce qu'il y a la presse là il y a gros chaîne télévision CNN ABC NBC MSNBC et Fox News et tout channel ça yo et en pile channel local et appelé en pile radio là tout donc pour nous aller montrer que nous effectivement à supporter frère action nous yo parce que si journée aujourd'hui hein, bien que yo parler de affaire de 50 000 et haïtiens qui étaient qualifiés dans TPS là faut nous dire que là mais plus que ça moi même pas dit 50 000 haïtiens non m'a dit au moins 50 000 familles haïtiennes. Parce que il y a pile haïtien pas beau ici qui fait timoun pas vrai et timoun yo fait ici aux États-Unis ou bien timoun yo t'est rentré ensemble avec yo après le tremblement de terre 2010 là et côté que et gen moun qui gen 3 4 5 timoun en nous ta mette en moyenne chaque 50 000 ça yo gagne et 3 timoun en moyenne, donc ça déjà bon 150 000, parce que 50 multiplié par 3, bon 150 000 moun. Alors, ou pral voyez tout le monde ça dans le pays d'Haïti? Tout petit monde qui fait pas bon ici, ou qui se citoyen américain, ou pral voyez dans le pays d'Haïti? Parce que, m'pas quoi gon maman ou papa qui pral virer douyo, supposons y'a tourné en Haïti, puis yo t'a laissé ou parler avec petit yo. Donc, ça veut dire que son situation qui pral extrêmement précaire, difficile, grave pour le pays d'Haïti, un pays déjà pas campé sur rien, pas de travail, hein? Et je ne sais pas comment l'administration ou bien le gouvernement, ça, l'État, ça est capable d'absorber la quantité de monde. Ça. Et d'autant plus, son acte discriminatoire, nous songeons que Donald Trump est salté de Haïti. Nous songeons ça. Pas besoin de répéter le sur radio, mais nous songer propos que l'on a lancé de pays d'Haïti. Donc, nous croyons que ça qu'a fait là, c'est un gros mouvement. Nous encourager en pile haïtien, aller. Et si Timoun, bah, on a signé l'école lundi déjà, mais, nous même encourager nous, aller avec Timoun, nous, et Timoun Zayo pour que nous fassions une gros manifestation et pour que nous voyons si ça a changé. Et si y a fait cette pièce là, il est capable de changer. Donc, c'est là nous campons. Jodia, ensemble avec nous. Pas oublier que nous avons des émissions Louvrier, la VG sur Radio Télé Louvrier. Et nous avons rendez-vous et pour samedi prochain pour une émission similaire. Et quant à moi-même, m'a dit non. Et moi, je dis donc. Et m'a rappelé nous encore, c'était Edwige Romulus. Et c'est mon présentateur pour l'émission L'Ouvrier la VG sur Radio Télé L'Ouvrier. N'allez, n'attendez encore. Bye. En fil monde qui représente nous là, ici, nous voyons bien, depuis le 4-4-4 coumé.
L'esprit mon Dieu montre une parole à la vérité, ma guémiraille qui va vous sauver. Disons les crises, disons les causes, disons la presse qui nous connaît, disons la justice qui nous commet, mais pas son délire pour craser. Thank you.